Quoi, on va voir ce qu'il fait lui aussi. Ok, FIFA, il... oh là là, FIFA. Oh, FIFA, il va dans son spot, il est trop respecté. Oh là là, ça commence à se taper. Ok, on est sur la petite POV de Zillaner là. Oh là là. Ok, on a gros Maloc en face. L'info est donnée. Il attend le spotted. Il attend le bon moment. Gros Maloc, il a rien vu. Il a rien vu pour le moment. Il prend des bons checks, gros Maloc. Hein. Il prend vraiment des très très bons checks. Ok, c'est en train de se battre. Je vois Solitude qui fait tomber la team Yoji, CZR, Nate Dog. Il est isolé, Clutch Bake. Hein. Il est très isolé, le mec, là. Ok, 2v2, ils ont la hauteur. Là. Non, ça va être un fight qui va pas avancer, ça. Là, juste, ça va pas bouger, ça va prendre les lignes. Oh là là, ok. Ok, Aizen, Ids, Groma, on a Groma à terre. Aïe, 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 Ids qui va mourir. Ids qui tombe. Ids qui est confirmé. Aizen, merde, qui prend pas le revenge. Allez, Aizen, allez, Aizen. Allez, Aizen. Ils reculent, ils prennent des bonnes lignes, ça prend des bons picks. Ça décale, ça met la smoke, ça va avancer. Ça avance, il le repère, ça le flanque sur le côté, l'autre doit être à droite. Aizen va mourir. Il peut pas. Ils ont trop bien joué, gros. Ils ont trop bien joué, ils se sont fait déchirer, putain. Oh, oh merde. Oh non. Oh gros. Oh là 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 là. Oh là là, ils ont trop bien joué. Ils ont trop bien joué, les mecs en face. C'est stratosphérique ce qu'ils ont réussi à faire là, comme mouvement avancé, c'était parfait. Un team play monstrueux. Là, le seul moment où il aurait pu aider, c'est en prenant le Aizen, le pique à droite sur le joueur, mais tu peux pas le savoir, tu vois, c'est... Ok, Jesus qui poche. Oh, Jesus qui... Ok, c'est un 1v1, hop là, ça confirme. Il va plus avoir de balles. Husker peut-être. Husker contre Bomba. Ok. Il patato, il a plus de balles. Il peut pas, 2v1. Oh là 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 là, ils se sont fait caguer dessus, gros, par la team Husker, Jesus, Mutex. Oh, cette team du futur, gros. Husker, Jesus et Mutex. Oh mon dieu, le skill de la team. Ok, ils sont rushés par Noobs et tout. Ils ont pas eu le temps de se reshield. Jesus qui flanque, Jesus qui va avoir un gros roll. Sa patato, oh, quelle erreur. Et qui viennent de se faire violer maintenant par Tomé, Ulmond et Noobs. Une grosse sodomie, gros. Il reste Husker qui tente de s'enfuir. Husker qui s'en prend plein le bidou. Il se fait traquer. Husker qui est resté dans la maison. Il veut tenter son clutch. Ah, il se fait... Ouais, sélection naturelle. Celle-là, c'est de la sélection naturelle, ce qu'on vient de voir. Rien d'autre. Sont tous à la manette. 93% des joueurs sont à la manette. Husker fait partie des joueurs clavier-souris, tout comme Aizen. C'est pour ça que nous les avons en POV. Il y a aussi Breeman qui l'a. Je sais pas comment s'écrit. Breeman. Hop, on va laisser charger. On va voir le goulag d'Husker. Ok, Husker qui a réussi à gagner son goulag. GG. Ok, donc là on a la team Julie, Max, Breeman qui sont déjà positionnés. Oh là là, ça c'est assez atroce les gars, parce que regardez, là c'est ceux qui ont les meilleurs positionnements. Oh, elle est belle la grenade. Elle touche. Neidot qui s'est fait flank par Breeman. Breeman qui donne l'avantage à son équipe. Parce que en gros il y avait deux flanqueurs dans chaque équipe et Breeman qui était le flanqueur de cette team là, enfin de l'autre équipe, a buté Neidot. Ce qui du coup laisse la team Ney en deux. Oh là là, ça se fight sale. Oh là là, all timing. C'est monstrueux, peut-être. 2v1, Breeman qui arrive sur le côté. Ça va être à lui de faire la différence. Oh, Breeman, ok, qui gagne. Oh là là, ok, ils ont eu qu'une élimination. Ça s'est joué à une balle près. À une balle près, c'était le désastre, gros. Oh là là. On a Vision qui contrôle le pont. En fait, je pense que c'est pour... Non, c'est pas pour garder la position. En fait, juste il est bloqué par l'équipe 27. Du coup, il doit faire une rota par la gauche.
On a un Jukai's Vision. Lennon. Et en gros, ils vont se positionner, ils vont sûrement essayer de croquer la team et de leur bloquer la rotation pour prendre 3 points en plus. Ils cherchent les points, ils cherchent le classement, donc ils vont jouer le frag, c'est obligé. Il va avoir l'info, Jukai's. Il sait que c'est passé, mais il sait qu'il y a un retardataire. Ok, bah en ce temps, on a la team King Cage Wars qui est en train de se foutre sur la gueule. La team 43, elle a un super head glitch. Wars a un bon aim. King Cage a pris le flank par la droite. Il recule. Situation de 2v3, ils veulent pas prendre de risque, ils reculent. Sur internet, ça aurait pas reculé. King Cage a quand même gardé une position bien agressive, mais qui back. Ah là, il y en a, ils sont là pour l'argent, les gars. D'ailleurs, ça dit quoi la team Groma, tout ça? Oh non. Oh non, oh mon dieu, non. Oh mon dieu, non. Oh là là. Ok. Ok, c'est pas grave, il reste 3 maps, mais c'est mentalement ça doit être dur là. Mentalement, t'as les copains qui te regardent sur la scène et tout. Oh, pire transition. Ah mec, je regrette d'être passé derrière Supé là. Oh là là. Il reste... ils se sont tellement entraînés gros, ils sont allés... à la Gaming House BTS, ils ont un... Oh là là, il y a un très bon joueur en bas, B-Blade, qui se fait éteindre gros. B-Blade se fait complètement éteindre. Mais... Et en plus de ça, il lui laisse tout son stuff. On a Breeman qui est en train de faire pas mal de choses apparemment. C'est quoi ça? Quelle arnaque. Attendez une seconde, vu qu'on va regarder Breeman. Hop, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il me fait rire avec son bob, il me régale lui à chaque fois. Ok, vas-y, montre-nous, les claviers souris. Bam. Oh là là, qu'est-ce qui... Oh là là. Oh, il aura chié dessus, gros. Très joli move. FIFA kill, ça dit quoi? Ok, ça run, ça va se passer sur la hauteur, ils ont une très très bonne hauteur, ils vont pouvoir flank tout le village d'en bas, faire des attaques. Merci pour les subs les gars, yo les nouveaux. Ok, là ça va traquer. T'entends? Ils veulent des points, ça traque. Ok. FIFA il est en confiance, il leur dit Ok. Il est un peu isolé FIFA, s'il y a une team dans les bâtiments à droite ça va être compliqué, il le sait. Ouais il le sait, c'était la position où il fallait pas qu'il y ait quelqu'un. Là vas-y, te prends pas. Aïe FIFA, aïe. C'est bon. L'autre... Ah mais là c'est fini, le fight est abordé. Là, il faut laisser tomber. Ils le savent. On a la team Skullface, Isoka, Mayapo qui ont complètement contrôlé ce secteur. C'est immense comme secteur. Ça se voit qu'ils imposent le respect, les mecs. En fait, quand tu vois une team qui arrive à avoir quasiment toute une ville comme ça, tu sais que les mecs imposent le respect, tu vois. C'est des mecs... t'as peur de les fighter. Tu sais que... Ok, on a la team DJ Mask qui vient de se faire éventrer, gros. Je sais même pas si le terme éventrer, c'est pas un peu léger pour ce qui s'est passé. Parce que là, ils viennent de se faire ouvrir, mais d'une façon. On a la team 36 qui a la bonne hauteur, qui va pouvoir progresser tranquille avec le gaz. Va falloir qu'ils se méfient de leur flanc gauche avec la team 11 qui monte. Mais sinon, c'est plutôt propre, plutôt bon, j'ai l'impression, tout ça. Donc ça monte. Ok. Bon, là, on est en situation de 2v3, mais c'est ceux qui ont la hauteur qui ont l'avantage, comme d'habitude.
Mais il y a vraiment des grenades par ici qui peuvent être vraiment incroyables et surprendre de ouf. On a la team 44 qui avance de ouf. Et la team à Tony qui avance. Tony from Texas, yeah, Tony, yeah. I love my life. And I love les vaches. Oh, il avance. Mais pas ça sur internet, sur Insta avec vous. Ok, Aidan, Rated. Hit Adrian. C'est qui ce mec? Hit Adrian. Je connais pas. Vous connaissez? Au fait, chat. Ce qu'il leur a mis, gros. Ce qu'il lui a mis, Isoka, t'as vu ça ou pas? T'as vu ce que Isoka vient de mettre? What the fuck, frérot? Team Mason, ça dit. C'est full mort, ça regarde. Ça regarde. Oh là là, ça doit être dur. Ça doit être dur. Oh là là, on a la team FIFA qui est en train de se fight. Oh là là, mais ils ont aucune chance. Oh, oh, oh. Allez FIFA, let's go. Let's go FIFA, let's go my brother. Va le croquer, t'es un requin FIFA, t'es un requin. T'es un requin. T'es un requin FIFA. You fucking shark, bro. Bon, il a pas pris de kill FIFA, mais ses mates, je crois qu'ils en ont pris deux. Ça se recharge bien, ça met bien les stuffs, c'est livraison express. Ça donne quoi les cheaters? Ça sous-perf, ça sous-perf, ça sous-perf. Je les ai même pas vus, donc je pense que... Fucking sniper, ouais. Ah, la FIFA, il aime pas ça les snipers, hein, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, bande de je vois que 65% du chat n'est pas follow. Pensez ou follow. Est-ce que cette statistique vous fait rire, chat? Parce que j'ai menti. Ok. Ok, monsieur Breeman. Breeman, Joe, Limax qui sont positionnés dans une des meilleures maisons si leur zone, si la zone pop vers eux. Après là, la RNG de la zone compte. Et Beams qui se sub. Merci beaucoup, mec. Ok, ok. Poum. Poum. On la verra pas passer. Oh là là. Le 3v3. Le 3v3 qui attaque. Là c'est... Et voilà. Eloane qui met l'avantage à son équipe. Ils vont perdre à cause de leur teammate. Oh là là, Bubble qui fait un travail de monstre. Oh là là, heureusement que les autres sont trop solides, gros. Heureusement que Eloane et Tenux sont trop solides. Leur mate a pu la merde sur l'extérieur. Bien joué. Merde, on a Swag qui vient de se faire confirmer par CPA. J'aurais joué pompe sniper, moi. Il y a des Français, ouais, il y a des Français, mais pour le moment c'est pas complètement ça. C'est qui déjà la team? Il y a Zach, il y a Kored, et c'est qui le troisième avec eux? Allô? C'est un streamer, non? Yeah. On va voir ce que ça donne juste après, les gars. Ok. Putain, ça va être encore mieux comme ça, les gars. Hop. Ça vous fera. Comme ça, vous aurez pas l'écran pollué ni rien. Allez, 12 secondes. Allez. Comme ça, on va pouvoir savoir ce que deviennent les autres Français.
FIFA dead. Ça veut rien dire, ça veut rien dire, attends. C'est en train, là, c'est en train d'affronter la team Shifty Sage. C'est des joueurs incroyablement forts. Merci Dead Zone pour le sub. Welcome, man. Welcome on Family Kick. Ok, ok, il est en train de se faire traquer. On a toujours Isoka, Skullface, Mayapo qui sont très très bien. Par contre, il y a la team Method Sick qui vient de se rajouter. Bon les gars, je suis désolé, on doit attendre 8 secondes pour pas se bouffer la pub. Et on pourra regarder Halo pour voir ce que l'autre team de français devient. Ok. Ok, il y a Itzkored qui est en vie, il y a Halo qui est en vie. Ça va être à eux de perf. Il s'hydrate au bord de s'évanouir, il temporise. C'est ça les LAN les gars, ça nous fait vibrer, ça nous fait transpirer. Il y a tes copains en train de regarder sur le côté. Briman qui refait un kill encore, Briman qui est juste on fire. Briman double nade. Ça a tenté le push, il le cherche. Il le cherche, il esquive la nade. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, il le trouve, il aide son copain. Parfait timing. Et Berzeskan qui envoie un pourboire de 10 subs pour service rendu au casting. De rien, Berzeskan. Et merci, mec. Merci beaucoup. Du love pour Berzeskan. Ils sont parfaitement placés, la team Jowoo, encore une fois. Parfaitement placés. La team Halo, qu'est-ce qu'ils font? La team Halo, il la joue requin. Il la joue à 3 requins, 3 pistolets dans l'eau. Oh! Oh! Ça marche! Ah! Non, pas ça, les gars, pas ça! Faites pas ça, les mecs, faites pas ça, 3 dans l'eau! On retourne en été! On retourne en été! Prenez, prenez! Non! Le monde entier! On est là, on est là, on est là! Non! Encore, encore, crac, crac, crac! Oh mon dieu! Oh mon dieu, ça vient de faire 2 kills de plus dans l'eau! Le monde entier aura peur de la France, pays des mégalodons. La technique aquatique, la technique Vondel. Certains se sont entraînés sur Almazra, d'autres sur Vondel. Et ça paye. C'est ça qui est beau. C'est Internet. Ils sont en train de... On se croirait au Canada. Ça chasse le poisson à la dynamite. Ils sont traqués. Oh, encore un kill. C'est la régalade. C'est la régalade. Faut que je respire. Ah, respire. J'ai plus de balles d'SMG. J'ai plus rien. Il est à poil, Kored. Il est à poil. Et on lui file des balles. Dans l'eau. Il est encore là. Il a plus de balles. Où sont les mates? Les requins. Flipper! On se croirait à Marineland, frérot! Et ça réanime! Ça réanime! Il est en hauteur à la fin! Il est trop bien placé! Simplement incroyable! Un dauphin! Flipper a pris des balles sur le côté! Flipper pisse le sang! Oh non! Voilà qu'ils ont crevé Willy! Non! Oh merde! Il faudrait qu'il arrive. Ah non, il peut pas se poser sur la tour, c'est pas safe. Il doit rester en l'air. Il doit pas se faire focus. Serre les fesses, allô, serre les fesses. Il voit la fin de zone. Là, la fin de zone. Quoi? Comment ça? Comment ça? Top 1, fais-toi plaisir. Il reste 40 personnes. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il est trop bien placé, hein. Il est trop bien placé, hein. 14 kills, les gars. 14 kills, putain. Frérot, c'est pour ça qu'on veut fermer Marineland. C'est pour ça, 14 kills, gros. Et ces mecs-là, ils parlent pas en écureuil ou en dauphin. Ils parlent en viande humaine. Et allô, représentant français. Déjà... Dans le top 5,
des WSOW de Warzone 1. 1v1, c'est un kill de plus pour Halo, c'est un kill de plus, ça le met en confiance. En plus, il y a une petite plaque devant, mais il prend pas le risque, il est malin. Gros cerveau. Plein écran, Halo, je finis sur toi. Allez, régale-moi. Régale-moi, Halo. Ça décale pas. Ça se resserre de fou. Il reste 13 équipes. Plus que 3 équipes qui meurent par le bonus, ça peut aller très très vite. Il y en a un, ça tempo dans les airs, ça se fait caca dessus un peu. 11 équipes, plus qu'il c'est bon. Le bonus pour l'équipe française de la team It's Covered. Drone de brouillage qui pop. Là, il va falloir qu'il réfléchisse à sa rotation, ça risque de pas être évident, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'armes. Là, à sa place, je prendrai les points et je courrai tel un lapin de prairie, je partirai là. Là, en pleine diagonale, là t'y vas, tu montes sur le camion, tu plonges, tu roules. Allez hop, c'est parti. Ah non, 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 ah non. Allez, bien joué, très très bien joué, gros. Très 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 bien joué. Ok, ça réanime, on a sur la team Isoka qui est encore en vie. Isoka qui est en train de challenge tout le monde. Oh, Isoka qui vient de 1v2, la team à l'UICM. Oh non, il tombe derrière. Oh là 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 là, il aura pissé dessus. Oh là là, leur chier dans la bouche aurait été plus correct. Il reste Shifty, Biffle. Ok, ça use un flare gun à la fin pour renvoyer leur mate en l'air. Comme ça, leur mate va pouvoir temporiser. Ça temporise. Oh là là, il y a Biffle qui est en train de se régaler. Biffle qui fait du tir au pigeon, simplement, gros. Ça regarde où ça tombe, il se régale. Ça doit être illégal ce qui est en train de se passer. Ils prennent trop de points d'avance. Biffle et Sage qui push. C'est un peu greedy, ils en confirment un 1v1. Sage qui va devoir performer face à Benze. Il le fait tomber, Sage qui performe. Shifty est placé, les deux qui se réaniment. Ça réanime le coéquipier, ça va être la team Shifty qui va gagner. C'est certain. Skullfake arrive sur le côté. Il va se faire croquer normalement, il se fait pas croquer. Castillo qui se chie dessus, Castillo qui a de la merde plein les mers. Et c'est la team Shifty qui gagne. Oh là là, les mains dans le falzar, ça tremble. Oh là 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 là. Insane. Ils sont trop forts, c'est trop, mec. Ok, ça saute. Ok, déjà, putain, airport, ils sont pas beaucoup, il y a que deux teams, la team 29 et la team 32. Celui qui gagne est le roi du monde. Oh putain, c'est Eads, Groma, ils sont direct au charbon. Toujours contre la même équipe, Z-Liner, Destroy, Desly. Oh là là, chat est chaud des crins low shot, comme on dit chat. Moi, à leur place, je retournerai pas tendre le bâton. Je looterai très très vite mon côté. C'est bien effectué, il y en a un qui reste garder la ligne. Oh putain, la ligne va être prise. Oh là là, Gros Maloc, il est pas... Gros Maloc risque d'être surpris. Si Gros Maloc tombe, la team tombe. Il faut pas qu'il tombe. Il a un rôle trop important là. Non, je peux pas ne pas suivre ça. Recon drone sur moi. Ça va, drone air ? Elle est là, elle est à gauche. Il y a un mec qui va monter à l'échelle de gauche, je pense. Putain, quelle situation de merde. Arrête de trop d'argent, je pense, gros main. Ouais, tiens. Quelle situation de merde, frérot. T'as une team de 3 chacals qui est en train de te conteste comme ça, c'est... Ça monte pas. Putain, Eads, allez, file l'argent. Allez, paniquez pas, les gars. Ça panique pas, ça joue bien. Gros Maloc, il effectue son jeu, il en a repéré un. Oh là là, il a pas peur, il descend, il veut le challenge. C'est pas ici, c'est pas cette pièce. Ah, ils sont en red, ils sont en bas, je crois. Hein. Ouais, ils sont 3000, 3000. Vas-y, hein. Ouais.
3v2. Ils y aillent. Ils y vont, ils ont pas peur. Ils sont pas ensemble, ils sont pas ensemble. Aizen qui est tout seul. Aizen qui tombe pas. A une balle près. Ça conteste direct. Ça tchale, il le bouffe. Et oui, tu le bouffes. C'est bien mon gros main ça. Il l'interroge. Allez, bonne pute. Salope. Hop là, et l'autre il a plus qu'à s'enfuir. C'est bien les gars, malgré deux games on va dire moyenne, ils ont montré leur jeu. Ils ont gardé leur boule. Ils ont dit oh, on s'est entraîné. Ils ont poussé un petit coup de bol. Oh les trois tapas là qui rush. Dos. Non, 13 cerveza para tablas número 13. Por favor. Voilà ce qu'il leur a dit, gros Maloc, gros. Oh, ouais, on passe l'argent. Yeah, on écoute, maintenant on l'air, quoi. Attention, en l'air, ils vont peut-être essayer de retake en mettant des live marks, tout ça. Ouais. Y'a un fantôme là. J'en ai déjà une. Ok, ça claque moi au pire. Vas-y, ça marche. Ok, on a l'argent pour le dog. Je suis fier, les gars, je suis fier quand je vois ça, putain. Je mets l'argent au shop. Vous savez ce que je suis plus fier, les gars? On est quasiment 4000 sur un cast. Ça me chagrine, chat, à quel point c'est beau. Putain, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Il vient de m'apprendre un move, gros main. Petit renard. Ils sortent tous leurs moves, gros, tout ce qu'ils ont appris. Ils ont pelé la map, les mecs. Ceux qui sont installés tranquilles devant le live avec un chat, un chien, à plusieurs, en train de manger. N'hésitez pas à mettre votre meilleure story sur Instagram, @zenou. Et on vous repostera avec grand plaisir. Faites une jolie photo, faites un effort. Bébou ? J'ai rien où il y a les scores en continu, ils ont juste mis un overlay sur leur stream, Yannou. Ok frérot, merci quand même tata. Je suis redescendu tata. Putain, j'ai gardé le mal au cœur longtemps. Je vais finir cardiaque plus tard, c'est sûr. Ils ont l'hélicoptère pour Rota, c'est pour ça qu'ils prennent leur temps, qu'ils lootent vraiment bien. Mais il va falloir qu'ils se placent direct correctement dans la zone. Après là, ils peuvent absolument tout looter, c'est magnifique. Ça me donne envie de chialer tellement c'est beau qu'ils puissent tout looter comme ça. En fait, j'ai l'impression que... Ah, ils stackent des balles et tout, plutôt que prendre une boîte de munitions, ils stackent des balles. Ce qui fait qu'au final, ce petit drone de merde là qu'il a, va être super utile. S'il arrive à appliquer sa technique. Là, en gros, le moment tactico-technique où la chance et un peu la RNG prennent compte, c'est qu'à partir du moment où ils vont monter dans cet hélicoptère, il va falloir qu'ils arrivent sur leur point, les trois en vie. Et ça, les gars, c'est une putain d'aventure. Vous imaginez même pas à quel point chaque décision, chaque passer à côté de n'importe quel bâtiment, n'importe quel endroit dangereux, ça peut arrêter la game. Tout peut être fini. La RNG, c'est le hasard. Tu sais, on est sur un Battle Royale. Et c'est pour ça que certains ne considèrent pas ça comme de l'e-sport, parce que il y a une petite part de chance, tu vois, avec les zones et tout. Mais si tu te places toujours parfaitement bien, il n'y a pas de raison, tu vois, qu'il y ait une part de chance. Là, c'est gros Maloc. C'est gros Maloc pendant que ça circule, qui doit réfléchir, qui doit trouver la meilleure position. C'est une très bonne position, très très bonne position. Je la valide complètement. Aizen qui propose un drone, il y avait une couronne juste à côté. Ok, le drop est parfait. Oh! Oh non! Oh non! Oh non! La team des Italiens, Cam, c'est tout qui était déjà positionné. Oh non!
Ok, il s'énerve pas, il dit le truc correctement, il dit tout bien. Il est comme Joe. Oh là là, il est contre Joe, les gars. En soi, normalement... normalement, Gros Maloc doit gagner contre Joe. Je pense. Ouais, je vais attendre. Ça accroche pas. Oh, tiens, Joe, il se balade comme un singe devant lui, il est en confiance. Hein. Gros Maloc qui a pas peur, Gros Maloc qui avance, qui prend la ligne. Viseur un peu bas. Et là, le problème, c'est qu'ils vont pas avoir le temps. Si. Il y est allé. Courageux, il y est allé. Gros Maloc a été patient. Il préférait... Il préférait potentiellement perdre plutôt que lui donner le kill. C'est très intelligemment joué. Et il rejoint son équipe sans qu'ils aient besoin de flare gun. Et Dieu merci parce qu'ils avaient pas l'argent apparemment. Oh! Oh my god! Hey, wow! Vas-y, on va passer sur d'autres équipes, on va voir ce que font un peu Shifty, Sage et Beautiful. Ils ont pris les informations, ils continuent. C'est effrayant, Shifty, Sage et Beautiful. Ils déroulent leur jeu, mais d'une façon... Du coup, on a le top 5 qui est affiché en haut à droite. Beautiful, Isoka, De Samir, je sais pas qui c'est, et Stukex. Pour le moment, bah, pour les 600 000 balles, il y a Beautiful et Isoka qui semblent deux teams parfaitement trouvées. Deux teams qui sont monstrueuses sur Internet et en vrai, donc c'est beau à voir. Ah, ça c'est les mecs qui nous ont éliminés. Morpheus, Zagdar et l'autre. C'était ceux avec qui on spawnait. Je crois que Zagdar là, il est dans une merde, mais elle est monstrueuse. Attends, je viens de voir Gros Maloc qui vient de faire un kill. Soit il y a du retard. Et non, Gros Maloc qui prend ses lignes. Gros Maloc qui prend ses lignes, qui tire. Qui tente les walls. Bien joué, mon gros main. Gros main is back, man. Back, motherfucker, piece of shit, fuck you, man. What? Alors, Husker, lui. Il est pas là. Deux, s'ils sont sur le toit, c'est eux, je pense. C'est. Il nous cache sa scène. Les Français très secrets. Ça donne pas envie de jouer quand tu les regardes. Pas tellement que ça en trio. L'événement est vachement beau, j'aurais aimé le faire, c'est sûr, mais moi, si tu me reposes cette question quand il y aura la solo YOLO, je te dirais ouais putain, OMG oui, tu vois, j'aurais aimé tous leur dire vous êtes tous des merdes, je vous pisse dessus, tu sais, à tous en les regardant tous dans les yeux. J'en aurais rêvé, frérot. Mais hélas, non. La team 21, c'est qui? C'est quoi cette équipe de Kazakh, frérot? MZSK. Ils sont vachement bien placés, la team des Kazakhs, là. Oh là là, on a Solitude qui se fait push par un petit duo. Et Solitude qui se fait sodomiser par Nico Infinite. Ok, Tomé qui fait ses petits kills, classique de Tomé. Mais qu'est-ce qui se passe pour FIFA Kill qui a dit qu'ils allaient gagner la prochaine partie? C'est ça que tout le monde se demande. Ok. Ça monte dedans, tout le monde est dedans. Il y a leur sniper, il y a tout le monde. Ils se font un peu rafale leur mère, mais ça va. Lui, il a deux kills, je sais pas combien ont les autres. Il se remet une petite plaque. Il se remet une plaquounette. On dit pas une plaque, on dit une plaquounette. Hop, et là ça va monter parfaitement sur tous les bords jusqu'à piéger le... Ok, il a repéré les deux. Là les deux là-bas ils sont condamnés à crever. Ah, ils veulent prendre le Songol. Hop. Vas-y, hop. Et il y va FIFA. Il est pas suivi, il est vachement en avance, c'est dangereux. Ça c'est bien joué, ils doivent évacuer la pièce. Quoi? C'est quoi ça? Il a pris... Oh le bullshit, il a pris une explosion à travers le mur. Ils ont réussi à capturer. Oh, il s'est quand même fait tomber. Malgré ça, oh non. Ils se font back par une autre équipe. Oh FIF. Oh là là, la sauce. Oh la sauce, ils sont... Oh, ils étaient en 3v2 gros. Ils passent en 2v... ils doivent s'enfuir. Oh là là. Oh, le désastre de l'attaque, dommage.
Dommage, dommage, dommage. J'espère que ça va toujours pour Gros Maloc. Gros Maloc, Ids, c'est un peu leur spécialité de contrôler les zones comme ça. Donc je pense qu'ils vont parfaitement y arriver. Allez là, let's go mon Ids. Flare gun, c'est fantastique, c'est fantastique, c'est fantastique. Gros Ids qui déroule son jeu, qui est... Ok, ok. Ils sont bien, ils sont... Après, même si ça se pose sur leur toit, ils ont une frappe de précision. A mon avis, ça va se resserrer plus au nord, enfin plus à là, tout droit, gauche, gauche, à gauche là-bas. A mon avis, pour moi, ça va se resserrer par là-bas. Attends, on va jouer à un jeu, chat. Regardez, hop. Tac, map Almazra, image, tout. The fuck, on s'est fait hacker, chat. À mon avis, ça pop dans ce village-là. Genre, juste ici, juste au-dessus de là où ils vont être, avec un peu de flotte. Ou ça se resserre vers la montagne, observatory, légèrement à gauche. That's my call, chat. On verra. Ok. Aiden contre B-Blade. B-Blade, oh là là. Et ils se sont entretués leur équipe, là. Donc là, ils veulent en finir. Hein. Ils veulent en finir, sauf qu'il y a la team 3. La team 29, comme ça, c'est Tommy, non? Je suis pas sûr. Non, Zillaner, c'est Zillaner, ok. T'as les deux, ils ont leurs deux équipes ont dû se s'entre-déchirer, les gars. Ça a dû se finir. Mais sauce aigre-douce, ça a dû être terrible. Ok, ça avance. Y a rien d'intéressant. Gros Maloc, ça push, mais y a personne. Husker, il est bien positionné. Il est très bien positionné. Il a l'info, il va sûrement attaquer. Encore dans cette baraque, putain. Ah, mais c'était Husker et Mutex du coup contre qui ils étaient, Jesus. FIFA kill. Lol. Oh mon dieu. Ah, oh, c'est tellement marrant. Ok, ça lâche l'info. Yeah, yeah. T'as vu comment ils essaient de le trouver, le mec? Est-ce que vous avez vu la sortie qu'ils ont fait pour extend tout le haut, en haut à droite et tout? Ils voulaient juste confirmer que c'était bien une pause complètement inaccessible s'ils tentaient un push. Ils l'ont confirmé, il n'y a pas d'erreur de la part de l'équipe adverse, du coup ils ont juste à freeze. Jouer le temps. Tant qu'ils n'ont pas d'utilitaire, de grenade, de machin, c'est du suicide. Ils sont vachement bien placés, mais le mec au-dessus les dérange, et c'est complètement compréhensif. Ils peuvent pas faire autant de moves que ce qu'ils aimeraient, du coup ils peuvent pas prendre autant de kills qu'ils aimeraient. Genre les deux teams s'auto-nerf, en quelque sorte. Ok, il a pas eu le temps de le voir. Ok, ils ont pas du tout la zone. La zone a pop à gauche de la rivière. Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision à ce moment-là, Gros Maloc? Gros Maloc, il est en 3v3. Oh le fils de pute, mets la frappe. Oh là mon dieu, il a pris cher. Ça va, non. Il a pris une plaque à chaque fois, c'est juste que c'est terrible, mais... Ça, une plaque et demie. Une plaque et demie à chaque fois, c'est insane. C'est vachement fort. Il est tout seul. Ok, ils vont devoir rota. Oh là là, ça va être dangereux. Voilà, c'est la communication. Ils sont bloqués en fait, ils peuvent pas circuler. Oh là là, c'est la merde. C'est la merde de ouf. Oh là là, il faut prier.
Eh, sors de la zone, sors de la zone, sors de la zone, mon poulet. Ils sont attendus, non, 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 non. Ils se sont fait bloquer par deux connards qui voulaient pas bouger, gros. Non, gros, c'est terrible. Putain. Affreux, affreux. Et de l'autre côté, bah, c'était FIFA Kill qui devait les allumer en plus, qui devait les faire transpirer avec son équipe. On a Oki qui vient de prendre aussi un knock sur Super Evan. Ah, c'est dur, hein. C'est dur de voir ça, les gars. C'est des images qui font mal, hein. Voilà, on n'a pas d'image. On sait pour l'autre team de français, on sait pas. On a Breeman qui est en mode Poiscaille. Flipper encore une fois. Mutex qui fait tomber Rated et qui le confirme. Oh là 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 là, c'est vrai que c'est un truc de malade. Il y a, 26 équipes. Il y a Halo qui est encore en vie. Regardez, on le voit à droite contre le mur. Il est pas si mal, hein. À part le fait qu'il ait Wars et Kincaid juste à côté. La vie est plutôt belle, hein. Et il y a une team par maison. Faut juste pas qu'ils rentrent dans une maison. S'ils rentrent dans une maison, c'est comme si... je sais pas... un enfant de 14 ans, il rentrait dans une maison de YouTuber. C'est... ce serait désastreux. Bon, tout le monde a une PA. Tout le monde attend pour la mettre, j'imagine. Ça prend des lignes bien serrées. Il y a la team King Cage qui est restée à l'heure. Halo qui essaie de rentrer. Halo qui passe. Halo qui doit se taper. Il doit se taper un de ses délires. Frérot, c'est. Il arrive à circuler parmi tout ça, Halo. C'est hilarant, gros. Oh là là, ça se fight dans le gaz. Oh là là, King Cage et Wars qui ont préféré se cacher dans le gaz plutôt que prendre les fights. Et ils viennent de se faire soulever. Merde, c'est dur de voir ça. C'est des trucs que tu vois pas sur internet, les gars. Ça... Sur internet, il sort avec un pistolet. Il tue tout le monde, gros. C'est un dieu. C'est la pression de la LAN, les gars. Ça met des smokes, ça rota. Va falloir monter. C'est compliqué. Il a trouvé une cachette. Il se dit, je suis pas si mal. Mais il monte. Il monte, la boule au ventre. Il voit qu'il y a du monde. Il tire. Oh, Halo en Nipfire. Il le respecte pas. Oh, le turn de Sage sur Halo. Oh là là, sa grosse tub, sa tub énorme, monstrueuse, gros. Ce tub, une bite, gros. Bref. Oh là là, il reste la team 25. Ils sont 3 dans une petite maison de merde. La team Tomé à la bonne hauteur aussi. Ils sont vachement bien placés. Nos Français sont crevés. Ça envoie la grenade, ça joue proprement de la part de Tomei. L'équipe Tomei qui a vraiment réussi à sécuriser une zone qui est insane. Normalement, ils devraient pouvoir prendre la hauteur avec tout le stuff qu'ils ont. Non, 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 mais là, bon, là ils crament leur stuff dans une maison où il n'y a personne, c'est un peu con. Mais ils peuvent pas le savoir en même temps. Là, ça check, c'est juste ça. Ils ont vraiment nade la mauvaise maison, voilà, là c'est parti. Là c'est parti, là hop, ça craque, ça knock. Ils prennent l'avantage avec tout le stuff qu'ils ont, ils l'avaient pas vu. Ils le craquent en plus. Quel travail de Almond, gros. Ça confirme le kill de la part de Tomé. Tomé qui est en flanking. Il peut rien se passer quand c'est comme ça. Si Tomé est en flanking, il peut rien se passer. Il peut juste rien se passer pour eux. On a un FIFA kill qui a encore en vie, qui avait promis à ses coéquipiers qu'il allait perf. Et pour le moment, il tient sa promesse parce que je crois que c'est le dernier en vie, FIF. Et il vient de flinguer Husker. Tomei qui win, c'est 1v1. Il se fait intercepter, mais c'est rien. Il faut juste que son coup. Oh non, non, c'est pas rien. C'est pas rien, gros. La team Tomei qui vient de se faire. Bien défoncer par les autres, mais ils vont pouvoir se réanimer. On a FIFA Kill qui a encore en vie. Tomei qui arrive à prendre le kill sur celui qui tombe. Tomei qui vraiment charbonne en termes de kill. FIFA qui a encore en vie, gros. Le frère FIFA. Non, FIFA, non. On a été spoil. FIFA qui vient de se faire intercepter par Tomé. Allemonde, justement. Tomé, lui, qui a pris la ligne sur les trois autres. Ouh, là, le headshot qui est parfait juste avant de switcher de POV. Ça tire. Il va vider le chargeur pour condamner ce tissu. Il va vider le chargeur. Il sait qu'il s'est pêché. C'est maintenant. C'est là qu'il faut être fort. C'est là qu'il faut pas trembler. Ça, il se met dans le gaz pour être sûr. Ça réanime le copain. Noobs qui se sépare, qui est sur le côté. Ça re-réanime le copain. Ça a vraiment joué la stratégie à fond.
pour avoir le placement. Ils sont encore deux en l'air chez les noobs. Tomé qui est en l'air. Non, Almond vient de se faire intercepter. Tomé est encore en l'air. Tomé peut encore le faire. Tomé peut peut-être faire quelque chose. Il va tomber. Il va tenter le timing, c'est sûr. Il va pas rester en l'air. C'est pas un lapin. Il a des boules. Elles sont énormes. Elles sont énormes, les couilles à Tomé. Elles sont tout simplement monstrueuses et désastreuses. Elles frottent par terre, tels les sables de la mort. Tomé, c'est comme ce grand homme qui a marché sur les routes et qui a sa parello en deux. Tomé peut peut-être le faire. Il se fait allumer, Braxton, il sait plus sur qui tirer, il va plus avoir de balles, il tire sur tout le monde. Tomé attend le timing, il le fait tomber, mais il se prend la frappe. J'en perds mon chinois. Vincent qui fait un 3-6 manette, et ça le fait gagner. Ce 3-6 manette, oui, 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 oui. GG. Hop, ça commence du coup pour Gros Maloc. Attends, il se passe quoi là? What the fuck? Il y a une arme sur le balcon. C'est pas grave. Go gagner les gouges, les gars. Go gagner les gouges. Très important. Ils ont tellement travaillé, gros. Ça paye tellement pas. Regarde ça, comment son goulag est bien fait, les gars. Son goulag est fait parfaitement, les gars. Il va devoir les capturer, il le sait. Il va pas l'avoir. Oh putain. Bravo gros main. Idz aussi, Aizen aussi. Oh mental, mental solide, mental solide. Oh là 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 là. Les gars, ça vous dit qu'on vive cette game avec eux? On vit la game avec eux jusqu'à ce qu'ils meurent. Jusqu'à ce qu'ils meurent, on les soutient les gars. On se met sur la POV de Gromain parce que c'est le leading game. Donc c'est lui qui va donner toutes les consignes et je trouve que c'est le plus intéressant. Bah, je vais mettre ma POV moi au pire. Si tu veux. Peut-être essayer. Là comme on est en l'air avec trois armes, on peut peut-être essayer de récupérer le top police. En attendant, c'est un des endroits les plus safe. Top là aussi, c'est pas mal aussi. Mais j'ai peur qu'il y ait une équipe. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Je pense qu'il le sait, chat, qu'on le bénit. Hein. Je pense qu'il le sait. Hein. Après, police, là, je vois rien sur le toit. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est pour moi, ça va être. Si vous voyez, ouais. Mais. Bon, en tout cas, pour l'instant, je vois rien sur le toit. Ouais, c'est beau de voir en couleur, chat. Je m'en rendais plus compte. Remarque, il y a tellement de lumière. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ma tenue complète, chat? Jolie chemise, tout ça et tout. Elle est disponible sur mon canal Instagram, mon canal privé. Voilà. Vous serez surpris du bas. Faut mettre au moins 2 mecs sur le top. Faut mettre au moins 2 mecs sur le top. Vas-y, vas-y hein. Fais top police. C'est pas looté en bas. Ouais, c'est pas looté. Ils veulent. Ça se fait pas. Faites gaffe. Ah, moi j'ai qu'une base B. Bon, va looter alors, va looter. Vas-y. Allez, viens. T'as des armes, c'est bon, Idz? Ouais, c'est bon, moi. C'est parfait. Ah, c'est pas looté du tout. Là, ce qui m'inquiète quand ils font quand ils font ça, alors c'est très très safe de faire ça. C'est très très bien joué, tu vois. Ouais. Mais. Non. Ils ont pas d'armes, ils ont pas d'argent, ils ont pas de plaques, ils ont pas de munitions. Ils ont que dalle, gros. Genre, ils ont que dalle. C'est. Là, ils arrivent avec un ballon. Je sais pas, y a des mecs. Oh là là, mon dieu, ça va être. Ouais, dommage. Et... Ouais, leur faire peur comme ça. Non, mais c'est bon. Bah, ils ouais, trois mecs là derrière. Là. Là, là, là. On l'a ouais, j'ai vu, ouais. Ça plonge à tous les campants d'autour. Je suis pas sûr qu'ils puissent aller chercher. Continue à looter, t'as le colis, je sais pas où est-ce qu'il va tomber, gros.
Ouais, ils ont leur loadout. Oh mon dieu. Ah là, c'est. Là, la situation elle est puante, les gars. Genre puante de chez puante, hein. Très dangereux, c'est ça. Je sais pas si vous regardez, mais H5, hein. Mais attends, mais non, mais ils ont commandé un truc. Bah, ils y ont accès de ouf. Il a pop sur eux, ils l'ont laissé aller jusqu'à là-bas. Allez les gars, rentrez dedans, rentrez dedans. Allez les copains. Ok. Ils y vont. Très beau saut. Très beau saut. Rota parfaite pour le moment. Parce que mine de rien, il aurait pris 3 à gauche, il était complètement open. 3 à droite, c'était la sauce. Je peux mettre une cluster sur top arch lord s'il faut. Très bonne arme. Très bonne arme pour Groma, c'est très bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'il prend pas la prime? J'ai des balles de step si vous voulez un peu. J'ai un peu de plaque aussi. Oh mon dieu. Mec, je sais pas pourquoi. Le fait d'aller dans un menu comme ça aussi, c'est tellement affreux. Genre, juste appuyer sur tab et sélectionner ce que t'as envie, ça serait tellement mieux. Genre, être bloqué dans un menu alors que t'es sur un FPS, c'est ça devrait être interdit, frérot. Interdit. Ok, ils recommencent leur contrôle. Un binôme et gros Maloc qui doit faire le taf. Gros Maloc a l'air à fond dedans. Il garde un calme qui est impressionnant, en vrai. Je serais en train d'hurler et en train de recharger un béret. Je serais en train de recharger mon Beretta, moi là. Les décales sont belles, hein. Les décales sont belles, les pics sont parfaits, c'est bien fait, hein. C'est bien fait, les gars. Je vous le dis, c'est bien fait. La couronne, ça vaut pas le coup, non? Ah, c'est chaud. Ouais. Au final, tous ces moves, c'est pour R, mais ouais, mais s'il y avait eu quelqu'un, il l'aurait déchiré, tu vois. Gros Maloc, il joue un pull. Ouais, c'est le sponsor. T'es PMP, là. Ils bossent pour Cyril Hanouna, les trois. Ça, y'a pas grand monde qui le sait, hein. Un peu moins pour toi. Oh, mythe. Non, il y a écrit TPMP, frérot. Regarde, zoom. Regarde, TMP. Tu vois pas le P. Exclu show TV, c'est comme ça les gars, moi j'arrive à choper les bonnes POV. Bon, ils contrôlent le secteur, ils prennent pas le truc pour faire croire qu'il y a personne. Donc là juste ils attendent, c'est très patient. Bon, je sais qu'on a dit qu'on allait regarder ça, mais hop, on va passer quand même. Là ils temporisent, j'ai envie de voir ce qui se passe un peu à côté pour avoir une vision plus globale, ce serait quand même plus intéressant pour le coup. On a Kong qui vient de Sodom Ducase, King Cage qui vient de se faire Reaper, et on a une petite rotation de la team Swarm Course et Super Even sur la team des Penguins qui s'échappe. Mais ça, oh là là, Color qui est naïf, qui jette pas un coup d'œil à droite. À droite, Color, ils sont les trois à droite, nom de Dieu, regarde à droite! Attends, mais qu'est-ce qui se passe? On est sur une autre planète? Oh, le timing, il devait s'attendre. L'autre a dû prendre la ligne au sniper et appeler son pote en mode hey, « Eh, tu viens, on prend la ligne à deux! On prend la ligne à deux! Allez, viens !» Oh, merde. Et Patsuka tout seul? Il vient de Sodo... Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Quoi? Wait, what? Ok, c'est sa frappe qui la knock. Non mais attends, le mec qui a sauté tout seul, il a baisé... Oh là là, il arrive à s'en sortir pour le moment. Il a encore envie. Sacré taf de la part de Color.
Oh là là, il se fait courir dessus, gros. Il se fait courir dessus. Il se fait courir dessus. Ah, c'est bon, cette fois-ci, c'était où? Il a pas attendu, il a fait. Hey, on y va. On arrête de se toucher les testicules, on est pas. Eh oh, on est. Eh oh. T'as compris ce qu'on était pas? Eh. Bon, est-ce que là, ça a bougé? Non, il contrôle. Là, ce qui est. En fait, je comprends leur style de jeu, c'est normal. C'est normal qu'il la joue safe comme ça, tu vois, ils veulent assurer des points. Mais ah, voilà. Là oui, vous avez entendu cette phrase? On est là pour jouer. On est là pour jouer, tu vois. Là, en fait, ils temporisaient, ils arrêtaient de bouger. Oui, ils survivent, mais ça vaut quoi d'aller à une LAN comme ça et de rester caché dans un bâtiment? Ça, c'est pas fou, quoi. Et là, il y en a un qui a lâché, on est là pour jouer. Et là, ils vont agresser, ils vont faire leur jeu. Même s'ils perdent, au moins ils regretteront pas d'avoir fait ça. Plutôt que rester accroupi au haut d'un perchoir. Allez les mecs. On les entend pas beaucoup. Ils parlent faiblement les gars. Ça donne l'info. Oh là là, c'est trop beau comment il joue là. Seeds qui fait ça? Non, reprends ton MP5. Allez ma poule. Allez mon dieu. Là il faut attaquer gros, il faut y aller. Allez. Allez ma poule. Putain, il joue. C'est la CDL frérot. C'est la CDL comment ça prend les lignes et tout. J'ai tellement envie qu'il push, gros. J'ai tellement envie qu'il push, c'est un truc de fou, gros. La team Azak est de l'autre côté, sauf qu'elle a contrôlé. Il contrôle tous les bâtiments, c'est vachement mieux. On a Aizen qui est concentré. Allez, mon Aizen. Allez, poulet. Hot. Team Shawn, North America. Non, c'est moi qui le sponsorise. C'est un jeune. Ok, ils sont les trois positionnés en net glitch. Vraiment. Putain, gros, ils ont freeze la pièce, gros. Allez, les gars, tant qu'il y a personne, c'est le moment, gros. Quand ça, en fait, là, il y a qu'une équipe, les gars. Ils la sortent, c'est réglé. Ils ont toute la zone pour eux. Allez les mecs. Oh, je suis tellement impatient pour eux. C'est frustrant de jouer comme ça. Ils ont un potentiel qui est énorme et là c'est ils freeze alors qu'on est même pas à la fin de la zone 3. Allez les gars. Ouais, ça serait cool. Les mecs d'en face, en fait, ont exactement la même position et ils estiment que c'est trop dangereux de faire quelque chose. Mais justement, c'est pour ça qu'ils ont du stuff. Bon, je pense que vu comment si ça se resserre sur eux, si ça se resserre sur eux, ils bougeront pas. Ils vont freeze comme ça jusqu'à la fin de la partie. Sauf que ce bâtiment, il y a tellement de salles, il y a tellement d'endroits, il y a tellement de pièces que... Genre en fait, une fois qu'ils vont faire tomber une équipe, il y a une deuxième qui est arrivée, puis une troisième, puis une quatrième, jusqu'à ce qu'ils meurent, tu vois. Il y a pas de bonne solution viable. En fait, dans ce genre de bâtiment, selon moi, il faut justement utiliser les stuffs, les boîtes de munitions, tout ça, pour push les gens et les sortir un par un avant qu'ils arrivent tous ensemble. Pas horrible, non ? C'est pas horrible, ouais. Allez les gars, allez, voyez grand, allez. Pour réussir à accrocher jusque là-bas quoi. Allez gros main, vas-y, ça vient de popper la zone. Non. Ils veulent pas avancer. C'est vrai que la position pingée, elle est exceptionnelle. La position pingée, c'est la zone de win. Ouais, il faut le faire maintenant. Allez les gars, allez, faites-le maintenant. Non, c'est... Ça, ils viennent déjà de perdre 25 secondes, gros. Ils commencent à s'exciter, mais j'ai peur qu'ils aient perdu le timing. J'ai peur qu'ils aient pris la décision trop tard.
Allez les gars, allez les gars, allez. Ils n'ont pas de parachute. Je crois qu'ils sont focus de l'autre côté. Nice. Après, je sais pas si dans le bat. Y'a un mec window, y'a un mec window de là où on veut aller. Okay. C'est rien, il va falloir juste prendre le bâtiment. Vous prenez le bâtiment, vous gagnez. Non mais rentrez pas dans les maisons. Okay, oh mon dieu, Starfoula. Ils vont passer par toutes les maisons là réellement. Bah là il faut pas aller à l'autre maison là-bas. Il pas travers gros. Y'a sa tête qui dépasse là non. Ah il push hein. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il va bien travailler le bâtiment. Hein. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais ouais, mais la rota elle est trop dangereuse, frère. Vous êtes passé par tous les bâtiments, il fallait passer par la gauche. Genre. À chaque fois. Oh là là. Oh là 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 là, c'est terrible. Oh. Actually kind of moving for a second there. I was double ball. C'est la team Aiden qui les a tués. Et là FIFA Kill il vient de se faire Sodom par Biff là. Allo j'ai l'impression qu'il a trouvé la stratégie. Mais non regardez, regardez qui se prend la place là maintenant. Et là par contre eux, regardez, là une fois que t'as la position ici dans une de ces maisons, tu arrêtes de bouger nom de Dieu, tu arrêtes de bouger. Parce que là, en te déplaçant, tu excites toutes les petites teams qui sont toutes cachées autour. Regardez. Il est fou, Steph. Arrêtez de bouger, les gars. Mets-moi une smoke. On repart où on était. Ah bah ouais, je vous jure, les gars, c'est des malades de faire que bouger. C'est des ouf. Genre, en fait, moins tu te déplaces, mieux c'est. Là, c'est bon, tu vois. Là, ils sont cette zone. Ils bougent plus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, ils se mettent tous aux fenêtres et ils prennent l'extend vers ce qui n'est pas en zone. Genre tout le côté haut, ils prennent chacun une ligne, ils posent des bêtises, n'importe quoi, ce qu'ils ont préparé autour. Et go. Ils ont un kill, donc ils n'ont pas fait beaucoup de kills, mais ils ont un bon placement. Là en fait, il faut regarder. Là en fait, il faudrait qu'ils regardent de l'autre côté. Côté haut, tu vois, là où les gens vont arriver. En plus, ils ont leur loadout juste à côté. Il faudrait qu'il y en ait un qui aille chercher un loadout avec juste des bêtis. En fait, ils posent juste deux bêtis à chaque porte. Et ils peuvent tous les trois se focus à une fenêtre sur tout le monde. Genre, ce serait masterclass de ouf. Oh mon dieu, allez. Vas-y, on regarde ce qui se passe un peu. On a la team. Mais regardez tout ce qu'ils pourraient cueillir, les gars. Stio, machin, carnet de machin. Ils ont Rodrigo à pêcher. Ils ont la team 16 à pêcher. Ils ont Almond à pêcher. Genre, s'ils prennent correctement leur putain de ligne sur la fenêtre, ils ont 19 kills qui arrivent sur eux. Ils seront en 3v1 à chaque fois. Attends, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire les Français, gros. Je suis trop curieux. Ouais, là, ils sont d'à côté. J'ai eu une assist. Ok. Là c'est... Allez. Non mais c'est... En fait, il y a des gens dans l'eau juste devant eux. Genre c'est pas possible qu'ils les voient pas, tu vois. Genre ils ont un parfait tunnel vision. Ça me frustre. J'ai pas de gaz masque. Là, il y a pas de gaz masque. Là, ça va être compliqué. C'est soit t'avances avant tout le monde, soit t'avances après tout le monde. Je pense que j'aurais choisi après vu qu'on est top 22. Là, il va falloir juste être solide et avancer avec le gaz. Ok, ça décale. Là en fait, vu qu'il voit qu'il y a personne qui rota, là il devrait lâcher le limite le call, vas-y on rota maintenant. Attention, back vision moi. Là ça les attaque, là c'est parti. Allez, là c'est le fight. Il a envoyé une grenade, les trois se mettent ensemble. Faut avancer maintenant. Là il faut avancer ensemble. Mettez les smokes. Il faut mettre les smokes. What the fuck. Gros, Il a mis les pubs automatiques. Oh le rat gros. Oh Isoka combien il vient de lui chier dessus gros.
Isoka encore une fois, gros. Non mais c'est pas possible là. Il peut pas réanimer. Il est trop loin. Les gars, il arrive à Rota. Il arrive à Rota, nom de Dieu. Regardez, Isoka arrive à Rota. C'est un... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et Shifty qui a la fin. Regardez, Shifty, il est encore en vie, gros. Il est encore en vie, ce démon, gros. Il vient de tuer le numéro 1 killer en étant allongé dans un buisson. Je crois que ça résume trop ce jeu, gros. Ok, on a Isoka qui peut vraiment faire un move de malade. Aiden qui est en train de chasser dans les smokes. Aiden qui se nade à ses pieds. Prend pas de dégâts. À sa droite, qui s'est laissé surprendre, qui a pas bien checké. Oh, Empathy qui en embarque deux du coup. Empathy qui en embarque deux. Isoka qui se fait surprendre. Le mec dans le buisson vient de se faire fumer. Là, c'est un énorme bordel, mais il reste Biffle encore une fois, gros. Encore une fois, gros. Il tempo dans le gaz. Il réanime son mate. Le travail, gros. Le travail de Biffle. Il va réanimer l'autre, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on le mette en prison, gros. Mais qu'on le mette en prison, il s'amuse, gros. Il s'amuse. Oh mon dieu, il est 1 contre 3, il va même pas suer. Il se fait courir dessus par les 3, il va prendre la bonne décision. Bien sûr qu'il gagne. Bien sûr qu'il gagne. Bien sûr qu'il win son 1v1. Mais pourquoi est-ce qu'il y a même un doute là-dessus, gros? Bien sûr qu'il win. Il joue avec ses gosses, gros. Frérot, il a pris sa manette. Il a explosé le mec. Il lui a mis une petite gifle. Il a fait c'est bien, Titouan. On recommencera à jouer ce soir quand papa sera reposé. Ce qu'il vient de mettre. Ok, 2v3. Il a pêché avec ses grosses boules, mais il a pas réussi. Ok, il entend bien en pistolet. Respect. Et c'est Zilaner qui gagne. Magnifique. 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 Bebou, tu peux le mettre la fin de game là. Ok, ça a sauté. Confirme-moi que c'est d'accord, mon Bebou. Gros Maloc qui spawn. Allez, français. Merde, il y a deux équipes. Oh merde! Ok. Je crois qu'ils ont fait notre spot habituel, ou plus au fond, je sais pas. Ouais, faut focus devant, faut focus le shop, pour pouvoir mettre un drone. On a presque cassé déjà. Vas-y, go! Bebou, t'as entendu? T'as entendu? Ok. Ils partent là-dessus. Y'a des smokes là. Oh, ils ont juste assez pour un drone. Okay. En fait ils chassent juste à sec. Ils vont les refermer, ils vont les jouer, ça va appliquer le jeu. Il y a Bebou, merci Bebou. Dieu te bénisse. Ça va les jouer. Il est en face, il le sait qu'il est en face, ils ont l'info. Allez, bim. Allez, bim, focus, nade. Boum. Il le joue, gros. Il en a plus rien à foutre, gros Maloc. Il y va, il déroule son jeu. Il le suit, à la trace, ça joue bien, il lâche la bonne tempo au bon moment, mais c'est pile le moment où il a plus l'info. Ouais. Mais l'autre est derrière toi, mec. Oh non. Oh putain, mais merde. Il l'avait vu, mais il voulait absolument prendre le kill pour les. Je back un T. Allez, it's Aizen, c'est le moment de bien jouer ensemble, les gars. Allez, hop, Aizen, montre-nous. Apparemment, Aizen a réussi à buter le dernier. Ouais, je comprends le pep. Ouais, c'est ce que je sens. C'est bien, les gars. What are they doing? Map number 5, they are sharing a corridor with them and Sage is looking for an opening. Ok, Sage, Shifty, Biffle. Quelle équipe de légende, gros. C'est internet, gros. Je suis un fils de pute ou pas? Bien sûr, je suis un fils de pute.
Putain de merde, je suis pas la moitié d'une merde. Café froid, je l'ai laissé sur la machine mon café gros. Bah c'est pas grave, pas de café gros. Oh oh oh. Oh le turn. Oh le turn. Le turn attract. Il s'est pas tué mec dans le dos avec un chargeur. Oh la 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 la. Oh. Oh t'es invité toi. Oh il s'est passé quoi gros. Oh les joysticks ils se sont déboîtés. Oh gros! Les 50 meilleurs joueurs du monde. Et tu vois ça gros. It's go red. Oh oh oh, on a la team Allo qui est en train de faire des frags. Shit man. Ok, il se passait un truc, on va le voir là. Il y a genre 3 secondes de délai. Oh regarde-le, c'est le... Regarde-le, le mec en face, c'est le mec perdu. Il lui a même pas retiré une plaque frérot. Je veux bien que c'était Shifty, tu vois, mais... Et Attrack, comment on s'est retrouvé ici? Et alors? C'est... Tu sais comment il s'est retrouvé ici, lui, les gars? C'était un mec qui était sur le bas-côté de la route, il était comme ça, le pouce en l'air, et en fait, il y a le bus des joueurs, il s'est arrêté, ils l'ont pris en stop, et ils l'ont gardé, le type. Oh là là, l'attaque de Castillo, elle est belle. L'attaque de Castillo est très très belle. Oh, c'est parfait. C'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, il continue. Il va... Non, mais ta gueule. Castillo, gros. Castillo. Oh là là, les moves. Ça se déplace bien. Recharge. Il met une frappe. Oh là là. Oh là là, gros. Oh là là, Castillo, gros. Ce qu'il met, gros. Oh non, le move. Non, je refuse d'y croire que le mec a... Non, dommage. Non mec, ça aurait été incroyable qu'il arrive à faire ce move. Voilà, il est en 2v1 gros contre Swag et un autre. Il lui reste une plaque et demie. Il le fait reculer avec ça. Non. No way, il a... Oh my god, le feu qu'il leur a mis gros. Oh, il doit y avoir une trace de marron dans le caleçon de chacun, là. Oh là là, le coup de chaud. Oh. Ils avancent, là. Ils avancent vers le chaud. Ouh, loulou. Ce qui leur a mis, gros. Bien joué, Hit. Il était si close du 1v3, le mec. Tu te rends compte qu'il aura ressauté dessus au sniper, gros. Le psychopathe. Celui-là, il est pas jouable. Ton shop. Ou alors faut qu'on attende et qu'on... Ah y'a un mec regarde aussi. Ah il me snipe je crois. C'est un top tour, y'a des mecs. Ah top tour. Oh merde. Un mec top tour. Oh là 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 là. Ah c'est à pleurer hein. Ah c'est à... Il a l'info. Et en fait le camion met du temps à réaccélérer. Il aurait dû aller plus au fond du hangar pour accélérer et avoir une vraie vitesse quand il sort du hangar. Là il est sorti à 2 à l'heure gros, il se fait il se fait trucider gros. Bien sûr. C'est des erreurs qu'ils font pas d'habitude. Allez les gars, allez, c'est pas fini vous, c'est Allez les gars, allez. Oh le zoom. Oh le zoom frérot. Ok, c'est déjà remake. On va voir comment ça se passe un peu ici. Aucune idée de qui c'est, j'en ai rien à foutre de savoir qui crève ou qui clutch. Hein. J'en connais aucun. Il est allongé au milieu de la route, perlimpinpin.
Ah bah ouais. 26, fully wiped. May still have a gulag available. We are two squads out of our initial 50 here in map number 4. C'est la dernière. Il y a 5 games, c'est la dernière game là, non? Map 5. Il y a que 5 maps. Engagements here, but a relatively slower start for them, about 150 damage and no eliminations. Well, one for Clamp. 5 ou 6? 6? Non, no way. Ah ouais? 6 plus la solo? Ah ouais, ça rigole pas, gros. N'empêche, t'arrives en. Ceux qui sont déchirés. Oh les gars! Les gars! Est-ce que vous avez vu ATH de quelle team il faisait partie? Regardez, il est avec les mecs éclatés apparemment. Ah ben, quand on parle du loup. Alors attention les gars. Il y a Atax contre un autre. Ok. Panda, il est en train de leur foutre le feu, gros. Oh, comment il le traque. Oh, comment il a chié dessus, gros. Oh, comment il lui a chié dessus. Oh, Titouan qui qui voit Schwarzenegger, gros. Oh là 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 là, il y a un monde de différence, gros. C'est une Clio 2 qui se fait doubler par une Lambo par la droite sur la voie des camions, gros. C'était en train de pisser sur le bas-côté, il y a une Lamborghini qui te fait le short. C'est qui la Smixy? Comment elle est arrivée là, gros? What the fuck, gros? Oh, je veux des réponses. Comment ça se fait que certains ils soient là? Ok. Ça joue bien la nade. Ça joue smart. Il attaque. Biffle qui. Oh là là. Putain, mais c'est quoi en face de lui? C'est un coéquipier? Ah, c'est un coéquipier, putain, autant pour moi. Louis CM se fait traquer par Sage. Les gars, regardez Louis CM. Ça me fait rire parce que Louis CM, c'est un joueur qui est monstrueux, les gars, qui est super fort. Hein. Très bon joueur depuis longtemps. Et en fait, face à Biffle et tout ça, on dirait un pangolin, gros. Mais c'est insane. C'est juste insane, les gars. Qu'est-ce qu'il fout dans l'eau, lui? Non, ils sont encore en train de faire la rotation. Eux, on a Oscar qui nous met une pub. Sérieux, les gars, il faut arrêter de penser à l'argent dans des compétitions pareilles. Oh, Kored. Et Kored qui donne sa vie pour réanimer quelqu'un, je crois. Tu peux jouer. Pour animer Halo. Ah. Comment ça, j'ai pas la res? T'as 5006. Je me vois à 700, frère. Ça m'a fait rire, j'ai pété ma palette. Mayapo, joueur monstrueux, les gars, qui circule dans le train tel un prédateur. Oh là là, Isoka qui arrive sur le gros Maloc. Oh là 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 là, non, c'est pas possible, il s'est encore passé une cochonnerie. Oh, il est sur sa map, gros. Ils avancent vers le choc, je sais pas pourquoi, ils vont peut-être droner. Hein. Oh mon dieu. Et Isoka qui gagne gros Maloc en 1v1. Isoka qui est vraiment dans son tournoi, hein, qui est habitué au LAN et tout, et qui... C'est dur, hein. En fait, les joueurs habitués au LAN qui sont vraiment performants et qui sont bons autant sur Internet que dans la vraie vie, ils se baladent. Ils se baladent, c'est effrayant. Un Spix.
Un SPX et un Pila. Oh non, IDS. Qu'est-ce qui se passe pour IDS, gros? IDS, IDS, je crois que c'est la détresse, les gars. L1R1, gros. L1R1, L1R1. Active ta saloperie, là. Active ta saloperie, gros. Active ta saloperie. Oh mon dieu, ouais, c'est la fin, là. Allez, il les a bien tempo. Il les a très très bien tempo. Magnifique tempo, IDS. Magnifique tempo. Elle est un rein, gros. Il faut qu'il envoie son truc, là. Ah, il le voit. Il a vraiment géré, hein. Il a vraiment géré de s'échapper comme ça. Il y a des mecs devant moi, non? Ouais, peut-être. Essayez de vous regrouper, les gars. Faut continuer à avancer, hein, si on peut. Il y a le celui qui va tomber. C'est dur, mais... Oh, mon dieu. Ok, on a Mayapo qui lâche un rush. Oh là là. Oh non, Mayapo, ça arrive pas. Oh là, regardez, il a le DJ devant. Cot DJ, Claybzen, Igloouille. Bon. Avec DJ Mass. Bon ben, regardez Mayapo faire un V3. We're gonna be creeping up on kind of the north side of village and just kind of encompassing all of pass. It means everybody coming out of. Mais comment ils sont écartés, Mayapo, Hisoka et tout, genre ils sont chez eux. Oh, Itz qui a gagné. Itz qui a éliminé Hisoka. Itz qui a éliminé Hisoka, les gars. Oh là là, Itz, sacré mouvement Itz. Là il faut se mettre sur la POV de Itz, gros, il est en fire, il veut montrer ce qu'il vaut. Allez bien mon Itz, ça. Pour ça qu'on les voyait pas. À 2003. Ils sont trop bien placés, et puis ils ont le drone, en fait ils sont tous au drone. Ouais, je sais. Ghost, moi, je suis ghost, hein. Et ghost. Ouais. Okay. Ah, moi ils savent. Des munitions de petit calibre, là. Oh là là. Ils sont pas res, par contre, ils ont pas réussi à res. Ça va, ça va, ça va res. Ça va res. Mais tu peux pas, j'ai pas. Ouais, on peut pas voir. Ah, il a res, hein. Oh là là, il a fait deux res sous leurs yeux et ça bouge pas. Oh là là. Oui, Aizen. Oh mon dieu, il a réussi à sortir Mayapo, Aizen. Putain, Itz là, il vient de sauver son équipe, gros. Itz solide mentalement. Merde. Ouais, il est dans la tour, il y a un mec. Oh merde, gros Malok! Ouais, j'y vais. Give up! Ouais, je peux tuer. Vas-y. C'est gros Malok qui vient d'exploser. Enfin, Hisoka qui vient d'exploser gros Malok. Ça me joue. Oh, tiens, comment ça se déplace vite, gros? Là, il y a un renard, gros, qui est en train de tourner. Il les traque. Genre, c'est du bétail, là. Mais viens sur moi, sinon il y a du stuff. Ouais, hein. C'est ce que je fais. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Ah là, t'as les trois premiers de l'équipe qui sont en train de traquer autour de toi, c'est pas bon. Là ça joue, mais ça joue très calmement, ça joue tranquillement, c'est intelligent. Il a pas vu passer à droite un mec là? Là juste là devant. Oui, mais si. Oh là là. Oh mon dieu, il était attendu. Oh mon dieu, il était attendu. Oh le piège de mort. Allez, gros main. Allez, gros main, montre-leur. Allez, gros main. C'est bon ça. Il y a pizza. Boum. Allez, il revient. Allez, gros main. Allez les gars, déroulez votre putain de jeu, montrez ce que vous savez faire. Ah, je pense que de toute façon nous, devant nous ça doit jouer là. Ok. Ils vont devoir avancer ensemble sous pression. C'est là qu'ils sont très très bons. Allez, j'ai envie de le voir les gars. Allez, j'ai envie de le voir. Ok, smoke à droite, magnifique. Ils peuvent décaler et reprendre l'avantage. Faut pas qu'il y ait une team qui sorte en même temps à droite. Allez un peu de chance. Balance une smoke à droite. Allez, fais pas le rat. Envoie une smoke. Ok, ça longe le mur. Ils veulent vraiment pas cramer leur stuff. Ça paye. Ça paye. Mais c'est sûr qu'il y a une team qui va sortir là. Là, je suis pas un génie, mais je sais que quelqu'un va sortir. Hein.
Allez, smoker les gars, smoker, assurer, on sait jamais. Oh, Starfou là. Ok, il sort. Ok, nice, nice. Sur la hauteur. Smoke, smoke, smoker partout, par pitié, smoker. Il a peur, il a peur. Faut peut-être atterrir, c'est peut-être le moment. Oh, oh mon dieu. C'est des malades, gros. Ok. Ok, ok, joli nade, joli nade, joli nade, joli nade. Mets ta smoke, gros. Et réanime, mets la smoke. Starfou là. La smoke, gros. Putain, dommage, gros, main. Dommage. Ah, portail de merde. Ok, Hisoka, Skullface, Mayapo qui sont encore en vie. Oh mon dieu, oh mon dieu! Ah, c'est Hisoka qui leur a mis ça! Un gros Malok et tout! Oh my god! Gulag for you and just a little bit of the multiplier. Somehow Team Hisoka is still alive, and look who also is still alive in several eliminations now. They picked up the pace. Oh, vous avez vu comment c'était malin ce qu'il vient de faire lui? Vous avez vu comment c'était malin? Il a collé la nade à la porte et il a ouvert le truc. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bien. Regardez Biffle, Sage, comment ils sont bien les gars. Regardez ça. C'est illégal les gars d'être aussi bien, c'est illégal. C'est jacuzzi les gars, c'est jacuzzi là pour eux. Il est où lui? Non mais gros, c'est pas possible, c'est possible de survivre aussi loin dans la zone? What the fuck? What the fuck gros? Regardez ça, il smoke partout parce qu'il arrive en zone, logique. Et regardez ça, il y a personne qui tire dessus. What the fuck, gros? Oh là là, Shifty, Sage et Biffle, qu'est-ce qu'ils sont bien. Qu'est-ce qu'ils sont bien, gros. Qu'est-ce qu'ils sont bien. Je pète les plombs, gros. Mayapo, il bouge pas, il est bien. On a Jukaze et Vision qui vont faire leur première bonne game. Mayapo qui tire, alors qu'il est le dernier de son équipe, il tire cette espèce de fou. Là, c'est pas de chance, il arrive sur la team de 3, ok, il prend les bonnes décisions, il retarde dans une maison qui est bonne. Biffle qui win son duel, encore une fois. Oh là 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 là, mon dieu. Mayapo qui reprend un kill et qui élimine l'Imax. Shifty qui vient de se faire défoncer par on sait même pas qui c'est. Sage qui envoie les fumigènes. Ça joue intelligemment, ça temporise. Biffle qui arrive en von. Biffle et Sage qui sont bien sur le côté. Il reste 11 squads. Ils font le move tous les deux. Il arrive pas à monter. On a Mayapo qui tente de s'incruster en zone comme il le peut. Mayapo qui fait des rotations qui sont vraiment fantastiques. Mayapo qui fait des rotations qui sont magnifiques. Y a pas à chier, elles sont magnifiques ces rotations. J'ai envie de chialer quand je vois ça. Mayapo qui est au-dessus sur les rotas là. Mayapo qui prend un kill en plus de ça. Ça va pas payer, ça va pas payer, ça paye pas. Ça paye pas, hélas, il y avait... Ça le traquait trop, mais ça aurait pu payer, c'est dommage. Et là, c'est parti. Oh, Sage qui vient de se faire éliminer. Merde. Ok, c'est terminé pour eux. Il reste Jukaze, Vision, Zakar et Rocket. Tiens, c'est les méchants qui nous ont tués la dernière fois. On a King Matty qui est encore en vie. Oh là là, oh là là, mais il regarde pas en dessous de lui, gros. Il regarde pas juste en dessous de lui. Il regarde pas en dessous de lui, gros. Regarde-le, regarde-le. Oh là là. Oh, il croque Vision. Il croque Vision, gros. Comme c'était du shit. Comme c'était du shit, gros. Il court sur Jukaze, mais ça marche pas. Il a une... Hop, il va se... C'est bon, il s'est... Du coup, on a Jukaze et Vision. Alors, 2v3v1. Ok, bon, lui il est mort, c'est réglé. Et du coup, vas-y les gars, entre Vision et Jukaze qui sont deux, je parie sur eux deux contre les trois.
Parce que les trois, je les connais, je les ai fight et genre Zaka, Rocket et tout, ils font pas le poids, je pense, face à Vision et Jukaze. Allez, on verra si j'ai raison. Ah, ils ont pas le temps de shielder, c'est fini. Jukaze gagne. Oh, Jukaze, quel gourmand. Vision qui tient la ligne. Rocket qui met la réanimation. Jukaze qui vient punir l'autre aussi. Oh, l'humiliation, gros. L'humiliation. Et l'autre s'est écrasé au sol. Allez, Jukaze, bien joué, mon poulet. GG, Jukaze. GG. Juste GG. Il aura chié dessus, gros. Il aura chié dessus. Gros Malok qui motive ses troupes. Tel le général de guerre Kameto. Gros Malok qui y va. Ça atterrit sur là-dessus. C'est tranquille. Ils sont les trois. Ils sont devant. Ils vont encore se 3v3 la gueule. Vas-y, attends, je vais mettre une bêtise. La Betty est très bien placée. Ils peuvent pas s'en douter. Le contrôle map est parfait. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ils sont là. Oh mon dieu. J'ai pas d'aide, j'ai la drill. Oh non. Non. 2v2. Ouais. On la reste. Ok. Ils vont le raise, hein. Oh. Oh mon dieu. Oh là là. Il s'est. Oui, ok. Ok, Hitz qui arrive à mettre la balle. Hitz qui confirme. Attends, je smoke. Je vais. Ok, ils ont back. Oh mon dieu, comment c'est intense. Ça se joue à rien, frérot. Hein. Ouais. Attends, lui il a une zone, lui il a une ligne. Hein. Vas-y, ouvre la porte. Devant nous. Je sais pas où exactement. Allez, Aizen. En haut à gauche. Allez, Aizen. Allez, tu le prends. Ok, vous avez pas de plaque. Attends, mais je suis sur la POV de Hit. Ah, en fait, je suis sur la POV de Hit. Je suis trop con, gros. En fait, ça force de voir Team Aizen ici. Il y en a à gauche là. Ok. Ok, attends, vas-y, on va voir Aizen. J'étais curieux. J'ai vu pareil, ah non mais j'ai vu pareil, gros, il y avait trop d'actions en même temps. Ok, ils sont sortis en dehors du drone, ah, les mecs. Ouais, je l'ai vu, mais... Regarde, gros, ouais, t'inquiète. Pas de plaque, donc... On va faire le... Mais ils sont partis vers le pont, à mon avis. Ok, ça va back. Ouais, ghost stuff. Ça va back, ghost stuff. Très bien joué, les gars. Oh là là, mon dieu. T'es radé. Eh, les gars, Vous l'avez vu ici en premier, sur le cast, ils sont en retard. Oh, ouais. Ok, on a Tapa qui est tout seul, gros. Il y a les trois mecs qui sont sur lui. Son mate, je sais pas ce qu'il fout en contrebas, il a bugué ou quoi? Non, il est à l'eau, il s'échappe. Oh mon dieu, il est repéré au pire moment. Oh là là. Il pouvait rien faire. On a Wartex qui vient de tuer le joueur de merde. Est-ce qu'il se passe d'autre chose avec Hits et tout? Non, ils sont bien, là on se prend des pubs. Là, ils sont placés où, la team Halo? Ok, ils se baladent ici tranquillement. Breeman, c'est ici, c'est bien positionné. Encore une pub. Et on a FIFA qui est en train d'attaquer. Ça va être intéressant. Ok, ils sont les trois. FIFA, il sort sans avoir peur. Ça prend les piques. Ça attaque de l'autre côté en même temps. Oakley qui fait un travail de fou. Oh, il a réussi à le crack quand même. C'est insane. C'est complètement insane le travail qu'a fait Oakley, le travail qu'a fait FIFA pour l'aider. Il a pas voulu laisser son mate crever. L'autre est derrière. Non, mais c'est pas. Non, il faut pas le. Nice.
GG. C'est dommage qu'il l'ait confirmé, mais c'était un beau fight. C'était un beau fight. Hop, on retourne voir Mayapo. This trio, do they go into this game and say, let's go absolutely crazy to try to take first place? Oh, 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 la ligne, comment il l'a pris direct sur lui. Oh mon dieu, la décale. Oh, le mec il connaît son terrain. Oh, la décale était magnifique, hein. Bois de mue, les gars. Ah, vas-y, je suis chaud. Ok, ils sont tranquilles. FIFA, il a son goulag. Il prend l'avantage. Oh. Bien, bien joué, FIFA. Bien joué, bien joué, bien joué. Et on n'a plus la pub. Tiens, on va voir le goulag d'un joueur clavier-souris. Oh, Briman contre Jukaze. C'est une belle affiche. Clavier souris contre Jukaze, aussi appelé le renard. Ils sont tous les deux en train d'attendre. Ça va être très dangereux. Ça va être très dangereux. Il n'y a plus le temps de capturer. Il n'y a plus le temps de capturer. On va voir ce fight. Jukaze qui mise sur le mauvais côté. Et Jukaze qui perd son goulag face à Bwinman. Alors ça, Bwinman, magnifique. Bwinman qui a misé sur la patience et qui a eu bien bien raison de faire ça. Eux, tous les trois, ils sont encore en vie, mais la forteresse a été reprise. Allo, c'est encore en vie. Pas de kill. Là, ça a claqué un drone et j'ai l'impression que ça attaque du côté d'Aizen. Il y a un peu d'action. Ouais, dans le ciel, je crois. Ouais, dans le ciel. Ouais, le mec est dans le ciel. On va voir ce qui se passe autour. C'est la même rota que game 1, je crois. Ouais. Ouais. Même rota que game 1. J'ai encore mon drone, hein. Regardez les gars, il circule bien au milieu de tout, tu vois, bien en open field. Comme ça. Il a touché, ok. Comme ça au moins, ils circulent tranquillement. Ils sont pas emmerdés. Si on leur tire dessus, ils ont juste. Y'a un mec qui respawn, ouais, devant. Vers mon ping bleu, un peu plus blanc. À gauche aussi. Vas-y, vas-y. Ah, il me touche. Il a une bonne cover de son mate sur la montagne. Il y a une team de 3 derrière. Il met le drone. Là, le but d'une drone comme ça, c'est à gros Maloc de se souvenir de tout. De bien mémoriser où est-ce qu'il y a des méchants. Et après, il doit trouver le chemin parfait vers ça. Alors là où ça, c'est pas du tout. Voilà, là, c'est le bon chemin. Il passait par la gauche du pont, ils étaient les 3 morts. Il a pris la bonne décision, il est passé par là. Il fait une rota qui est vraiment. C'est une magnifique rotation. C'était trop loin. Très. Ouais, en vrai. Très belle rotation de la part de gros Maloc sur ce coup. Ça joue tranquille. Ça joue tranquille. Ça prend ses lignes. Ça décale. C'est joli, c'est joli. On va voir ce qui se passe un peu. Ok, on a Mayapo qui est déjà placé. Isoka. Oh mon dieu, Mayapo et Isoka qui ont pris deux tops qui sont. Ils ont déjà les deux meilleurs tops du jeu quasiment. On a Noobs, Tomé et Almond qui avancent sur la team de iHoods. Ça s'envoie la monnaie, ça cherche des lignes, ça joue patient, ça se donne les informations. Ça joue vraiment très très malin. Oh là là, Tomé qui attend le bon moment pour frapper avec le sniper. Et pendant ce temps, on a un 3v3 contre Clutchback qui descend. Oh là là. Oh mon dieu. Ok, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ils viennent de clean le mec qui était tout seul, qui tentait un flank, donc c'est bien joué. Ça joue plus Phantom. Il y a des trucs vraiment mieux, tu vois, à ce stade de jeu quand même. Ok, on a Almond qui flanque à droite, Tomé qui essaie de trouver. Ok, on a eu un fight, on a un fight. On a Aizen qui est mort sur ce fight. En face, c'est loin, c'est loin, c'est loin.
on est trop bien, faudrait que... Mec, le shop, ils ont le shop sur le toit et tout. Là, honnêtement, ils sont pas trop bien. Ils sont archi, méga, supra, super bien. Ah, Aizen au goulag. Aizen qui est contre... je sais même pas qui c'est. Allez, Aizen. Allez, montre-lui. Clavier souris, clavier souris. Allez, clavier souris, clavier souris. Non, dommage. Dommage, dommage, dommage. Dommage. C'est rien. Hop là. Oh là, on a Knofo. Knofo qui vient de s'en faire deux et d'en confirmer deux. Jukase qui butini. Qui confirme à la grenade. Et avec tous les fights qu'il y a, comment c'est possible de pas montrer un fight? C'est de l'ordre du miracle. Ok, là il va se réarmer tranquille, gros main et tout. Ok, là on a du combat. Team Husker. Ok, il va back up. Ça disengage. On a Breeman qui est en train de se fight. Breeman qui n'est pas en train de se fight. Breeman qui est à la cool. Et Halo qui est en l'air. C'est jamais bon signe ça. Vas-y. Allez, on va voir ce qui se passe un peu. C'est quoi comme décision là qui va être prise? Bah, ça va rota maintenant, ils vont pas faire la même erreur que tout à l'heure à attendre trop longtemps et d'être bloqués. Ouais, j'en ai une, ouais. Ok. Et là ça rota. Donc là, je pense qu'à ce stade du jeu, on est en zone 3. Le but ça va être qu'ils se placent. Ce serait bien qu'ils se placent, qu'ils puissent arriver à faire une fan game, c'est là où ils sont très forts. Donc ce serait vraiment bien là. Mais juste à côté d'eux, oh là là, mon dieu. Mon dieu. Juste à côté d'eux, il y a Jesus et Husker. Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Regardez, Jesus et Husker sont juste là. Ils sont à 15 mètres. Hein. Ils sont littéralement à 15 mètres. Ouais. Ils font la même rotation au même moment. En parallèle. Oh shit. On va mettre les pages comme ça. Ils sont... Il y a deux bâtiments qui les séparent. Okay, Itempo, ils avancent moins vite que l'équipe Gromaloc. L'équipe Gromaloc avance par le côté. C'est vrai, c'est bon. Ok, lui il est toujours en l'air. Il va finir par arriver. Oh, merci Proler pour les 3 mois de soutien, gros. Ça c'est bon, merci beaucoup, mec. Shifty, Biffle et Sage. Oh mon dieu, les gars, regardez la zone qu'ils ont. Shifty, Biffle et Sage, ils ont absolument tout ça. Oh là là, la sortie en voiture, gros. La sortie en voiture. Oh mon dieu, il a pété les plombs. Le mec, il est en roue libre, gros. Oh, la sortie en caisse, gros. Oh, le taré, frérot. Mais pourquoi il s'arrête là? Mais il est fou. Mais c'est qui, ce mec? Mais pourquoi il s'arrête là? Son mate il s'est barré, gros. Son mate il s'est barré sans lui, du coup. Fais, tu t'es arrêté, mais nique ta mère. Je te jure, qu'est-ce que tu veux que je dise? Skyrose? Y'a Skyrose? J'ai pas vu son pseudo. Coucou mon Sky, c'est vrai que t'es là? T'es beau? Aizen fight Husker? Me dis pas ça. Oh! Ok, y'a gros Maloc qui est mort. I think we're good. I think we're on the roof, Charles. Oh non. I see that, Charles, you ready? Ils ont tué gros Maloc. Crack. Ok, ils sont en train de se fight, mais c'est pas eux. Regardez le goulag de gros Maloc. Bon, Team France. Je vois pas ces messages à Sky, what the fuck. On attend gros bas. Pas le faire, ça reste en l'air, vas-y sur moi. Prends confiance. Mais j'imagine que c'est vrai que t'es là. Ouais. Bordel de merde, c'est bizarre. Okay. Oh! 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 Oh, ce qu'il lui a mis, frérot! Non, ok, bon, j'y vais. Oh! Ah, il l'aurait violé, que ça aurait été plus tendre! Oh!
Oh! Il est one shot! Ok. Il est à droite, gros, il est à droite. En vrai, il est pas mal le bad. Oh, ils sont juste à côté, ils sont juste à côté, gros. C'est trop bien joué. C'est qu'est-ce qu'ils ont bien joué, les mecs. Oh non, Itz qui a perdu son goulag. Ouais, faire par l'escalier, là, tu peux pas, gros, faut pas perdre. Ah, ouais. Ah, j'ai oublié de descendre. Non, pas là-dessus, non, pas là-dessus, on est à rue. Ah, mais en bas. Un mec en bas, je crois. Ego Tchal. Ego Tchal. Non, mec, ça, mec, ce bruit qu'il y a, gros. Ce bruit qu'il y a. Mais des lives. Ça arrive, hein. Mais c'est vrai, je crois. Attends, un peu. Oh mon dieu, all timing. Oh mon dieu, c'est. Oh, qu'est-ce qu'ils ont bien joué. C'est. Ah, oh, c'est Wars. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont bien joué, gros. Oh, ils les ont bousillés. Vous avez vu les timings, comment c'était incroyable. Ils ont double tchal et escalier comme des malades. Et là, à ce moment-là, la porte elle s'ouvre. Genre, le timing est imparable. C'est imparable. C'est. Tu peux rien faire, les gars, face à ça. C'est juste, tu ne peux rien faire. C'est trop bien joué. Ils ont beau être très forts, c'est trop bien joué, gros. Sage, Biffle et Shifty qui sont encore une fois extrêmement bien placés, mais c'est. Tu peux pas dire qu'il y a de la RNG. Oh merde, c'est fini. Ah, en fait, le mec est mort. En fait, c'est... Ah oui, c'est pas grave. Non, dégoûte. Le gars se rapproche. Il y a une nouvelle. C'est fini là, du coup. Ah non, il reste Aizen. Il reste Aizen, gros. Dernier espoir pour la dernière game en trio. Top 29, ça va être c'est leur seule chance de perf, c'est que Aizen fasse quelque chose. C'est très dommage d'avoir bougé de la maison, les amis, quand vous avez vu qu'il y avait personne. Ouais, mais et moi, j'ai perdu mon AP1. Genre, merci, merci Level Up pour les 3 mois, mec. Ah, le Node, gros, c'est. Mais, je pense que le Node, je pense que c'est mort, hein. Ah, Sam Snape. J'avais shop portatif, j'avais. Tu fais quoi là? Tu vas dans l'eau. Tu joues un top 5, hein. La seule manière de bien nous sauver, c'est de jouer un top 5. T'as pas un... Ah oui, le collier est pas dans le. Si, il est tombé, mais il est juste à côté d'une maison, genre. Voilà. Là, il aurait fallu un F-Tax siège. Attends, what? Putain, c'est stressant, mec. Je regarde ça, gros, ça me fait stresser pour lui. Je crois que c'est une des. C'est une position qui est. What? Cher, comment il me voit là? Non, je crois qu'il m'a tiré à travers. Honnêtement, hein, c'est vraiment la. C'est une bonne position, mais en termes de tachycardie, c'est la position la plus affreuse que j'ai rarement vue. Ok, on a Shifty, Biffle. Ils sont fait embarquer Sage. Ils ont réussi à. Ils se sont fait virer par une équipe, mais comme d'hab, ils ont toujours une solution. Skullface, Mayapo. N'empêche, les Américains auront vraiment dominé la trio, gros. Hein. C'est incroyable. Regardez ça. Biffle et Shifty, ils sont au milieu de la route, gros. Ils sont au milieu de la route, ils sont bien. Ils bougent pas. Au milieu de la route, frérot. C'est insensé. Oh, la grenade qui fait tomber Tomei qui le confirme. Izuka et Mayapo qui lâchent un rush en 2v3 et qui au final recule. Oh merde. Oh là là. Ça commence à stresser, les gars. Est-ce que Aizen est encore en vie? Oh non. Ton flair. Oh là là. C'est terrible. C'est terrible pour eux, les pauvres. Jesus qui se fait embarquer, surpris par Mayapo. Shifty qui explose QB is too strong. Shifty qui est royal, hein. Qui est vraiment royal, hein.
Là ils ont le pont, ils sont pas en zone mais ils prennent un maximum de kills et vraiment ils se mettent bien, c'est... Putain, entre Team Allemande et Team Isoka, il y a exactement le même nombre de points. What the fuck, gros? What the fuck? Comment ils se sont démerdés pour faire ça? Là, ça va jouer cette game, en fait. Ça va jouer cette game. Ils sont à un mouchoir de poche, tous. Oh là là, Shifty à cette distance qui fait tomber... Vous vous rendez compte, les gars, de ce qu'il vient de lui mettre? Que quelqu'un vérifie son PC, gros. C'est incroyable. What the fuck, frérot, ce qu'il met, ce mec? What a god, gros. Oh là là, il lui a sauté dessus. Oh, Isoka, comment il a sauté sur Swag, gros. Les gars, c'était Swag en dessous. Vous avez vu comment il lui a sauté dessus? Oh là là, Biffle Isoka, les gars. Biffle Skullface Isoka. Affiche de film. Affiche de film. Bon, ben... Film fini, c'est la team Biffle qui a gagné. Non mais c'est trop gros ce qu'il met, Shifty. Ils sont juste en dessous gros. Oh là là, le requin, Skullface. Allez, enculé de requin. Shifty qui est 1v3. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il les a clutch, Shifty, gros. Il les a cartonnés. Comme si c'était des prostituées, frérot. Je me suis cru à la Jonquera. C'était quoi ça? Oh, ce qu'il a mis, Shifty. Non, ils vont pas encore gagner, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Non, la Kobe, elle est belle en plus. Il en reste deux dans ce bâtiment. Un ici. Shifty qui est vraiment bien placé. Ok, il les a vus passer. Ils cherchent par où ils vont sortir. Il sait qu'ils sont sous l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire, gros? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce mec, il va me surprendre. Ce mec, il va nous surprendre, les gars. Biffle, il remonte. Oh là là, là là, il lui met, gros. Il lui met, mais qu'on lui mette des menottes. Ils font quoi, les mecs, derrière, gros? Il faut l'arrêter, ce mec-là. Gros, il fait la rota par le gaz. Parfaite maîtrise du gaz. Regardez leurs écrans, gros, ils sont gris morts. Oh, regardez ça, la rota est parfaite, sans masque à gaz, sans rien, gros. C'est incroyable, c'est trop bien fait, c'est... What a player, les gars. What a fucking player. Ils ont forcément l'info. Ils cherchent, tout en gardant la hauteur, en faisant aucune erreur. Et ils tombent dessus. Wow. Là, c'est la classe, les gars. C'est la classe ultime. Oh my god. Ce qu'ils ont mis, gros. Les gars, j'ai une putain d'annonce. Ça va être l'heure de la solo YOLO juste après. Peu importe les résultats, peu importe ce qui se passe. La solo YOLO. Oh là là. Mais... Oh là là. Mec, qu'est-ce qu'il est beau, le trophée.
C'est comme sur internet. C'est comme sur internet, les gars. Ces mecs, ils surdominent sur internet. Ils ont surdominé en vrai. La classe. Juste la classe. C'est juste les meilleurs. Tu vois, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est, gros. Mais respect. Mais non. Attends, ils montent Skump. Attends, 2021, NA solo champion winner. Attends. Est-ce qu'on va apparaître, les gars, vu qu'on est un solo champion winner? Ou pas? Oh là là. Merci Chéché pour le sub, mec. Merci beaucoup. I will say too, this was actually crazy because I was on the desk as a guest this year and Alley Cat actually called that Skump was going to win. Yes, so the fact that that happened. T'as été ban, pas trop d'espoir. On sait jamais sur une escroquerie. It was just awesome. They got the job for a reason. They know what they're talking about. Enigma, let's talk about FIFA winning solo yellow himself. Yeah, well, this is one of the reasons why I was so confident coming into today that you're going to do so much because FIFA flies over 2022. Ils mettent les pour, ils ont mis les NA solo winner, gros. Ils ont mis les deux NA solo winner. Attends, est-ce qu'ils vont mettre les Européens ou pas? Est-ce qu'ils mettent les Européens ou est-ce que c'est rancunier? Solo YOLO 2022. Il en manque plus qu'un, gros. Il en manque plus qu'un. Flow of where he was playing aggressive, he's playing passive, but he was using the vehicle to rotate. And even the last final moments, he had a 1v1 against Beluga, and he got ça commence dans le sens inverse. And obliterate him. And hey, man, winning that and the trios, $116,000. Attendez, chat. Attendez. Attendez. Quite honestly, it's life changing. I don't know what I would do with it. Probably buy something dumb and then regret it afterwards. Here's your possible. You notice a lot of zeros on there. A lot of zeros for first. Ils sont rancuniers, chat. Ils sont rancuniers. Everybody else, even second. You're walking away with nothing. I guess you could say you got second place in solo yellow. Maybe that's. Oh, gros. I mean. Oh, gros, si la rancune avait un visage. Si la rancune avait un visage. Squeezed. Et après. Oh, chat. Est-ce qu'on s'y attendait pas, chat? Wouh, c'est parti, chat. La solo YOLO. Donc on a été le premier gagnant. Coucou YouTube, en fait. Ça ira sur YouTube, chat, ça. Vous imaginez, chat? Parmi les 150, les 150 meilleurs joueurs. Oh là 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 là, ça drop fort, ça drop fort. Ça doit stresser de ouf. À 149. Oh mais il n'y aura pas de remake, hein. On connaît l'organisation. Regarde, hein. Oh, qui s'est fait baiser. Oh mon dieu, gros. Oh, et Tapa qui est le premier à crever. Skunk s'y fait tomber Kong. Ah gros, je suis trop content à chaque fois qu'il y en a un qui crève, c'est trop drôle. Ok, il y a Sage. Sage qui est juste à côté de Biffle. Mais non, il se nade et tout. Mais non. Oh non, pas ça. Pas ça. Il se tire dessus et tout, gros. Il s'y fait. Il est fou. Il est fou. Oh. Oh. Ah. Il l'humilie. Gros, il le rush, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Oh my god. Il lui a chié dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a FK, gros. Il a FK, Tini. Ah.
Oh, Sage! Ok, on a Skuke qui vient d'exploser. Jukaze. Oh, je suis mort, gros! Oh, le malade! Oh, le malade! Le mec est fou! Ah, lui, Oki, il est en train de rusher Shifty, il sait pas en fait. Non, mais il est fou! Il est fou! Ah, il prend le blindé. La strat blindée est très intelligente. Hein. Très très intelligente. Hein. Aiden joue shield. Il peut pas jouer shield. On peut pas prendre les shields. En fait, il y avait la porte fermée. Oh, il y a Zach qui a tué Tini. C'est-à-dire que Zach était au goulag, Zach a été remake. Ok. Je vois pas de français qui tombe pour le moment. Ok. Encore en vie, nos trois français. Oh là là. CRZ qui est sur une double kill, du coup. Hits qui vient de faire un kill. Hits qui vient de faire un kill. Ok. Aizen, on va laisser le général. Ok. Blade qui fait tomber FIFA kill, gros. Oh, merde. Le gars Blade gagnant 2022 italien, on rappelle. Qui a fait tomber FIFA. Ok, Sage qui est contre Tomei. Gros fight. Gros fight. C'est des malades. C'est des malades. Sage, c'est un malade, gros. Il joue trop bien. Ok. Il y a gros Malok qui est en bas. Il check. Il est vigilant. Il est vigilant, il fait gaffe. Mais il y a Nate Dogg qui ne bouge pas. Nate Dogg qui... T'as un FIFA kill qui doit être en stress là. Oh non, FIFA. FIFA, non! Oh, FIFA qui sort direct à 137ème! Oh, FIFA, mon ref! Oh là 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 là! FIFA est mort. Ça vous montre un peu le niveau qu'il y a. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Tout peut se passer, chat. Nos Français peuvent performer. C'est pas fini. Il y a des gros noms, mais ils peuvent s'entretuer entre eux. Zakar qui vient de tomber, Tinux c'est terminé pour lui. Une City c'est son premier goulag. Ok, Nate Dogg qui fait tomber Hydreigon. Nate Dogg qui pue face à Hydreigon. On a Sage qui vient de faire tomber Limax. Sage qui est dans une folie meurtrière en fait. Hein. Dongi qui vient de rouler sur Stewo. Ok, Biffle qui joue la même méta sniper. C'est plutôt surprenant de jouer cette méta en solo. Je voyais pas trop une solo comme ça. C'est plus une méta d'équipe, le sniper. Je mise sur Stewo quand même. Stewo est un gros joueur. Adrian aussi, mais Stewo est vraiment monstrueux. Donc, sans rien attendre, ça joue malin. Il peut tout se passer. Il peut tout se passer, gros. Il peut tout se passer. Biffle contre Mayapo. Oh, le fight de légende, gros. Oh, les deux, ils sont allongés l'un en face de l'autre. Oh, tire, t'as juste à viser tirer. On peut jouer bouclier. On peut jouer bouclier pour la solo YOLO. Oh, mon Dieu. Je savais même pas qu'on pouvait jouer bouclier. Non, c'est pas possible. Il a gagné. Mutex vient de faire tomber Night Dog. Tomé qui tue gros Malok. Oh là 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 là. Ok, il a pris la nade. Oh là là. Oh là là, ça joue trop bien. Ça joue trop bien. Qu'est-ce que tu veux faire? B-Blade qui va se placer. B-Blade, comportement très intelligent.
comportement très 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 intelligent. Et Gros Maloc qui est éliminé, c'est terminé pour Gros Maloc. Husker, bon, on est toujours en pub. Aizen qui s'arme. Ok. On a Clown qui vient de tomber QB, Demon qui vient de tomber faire Oki, qui était le mate de FIFA Kill. Donc là pour le moment l'équipe FIFA Kill vient d'être désintégrée. Je crois qu'il reste un seul membre. Et c'est Script qui a sorti Gros Maloc du goulag du coup les gars. Diamant Faux qui fait un kill sur Brelo. Allez, assez portugais qui s'entretuent j'ai l'impression. Isoka qui se balade dans une zone qui est complètement vide. Bonne vision de jeu, bonne idée, bonne rotation. Il avance tranquillement, il est safe, réfléchit. C'est vraiment... je suis impressionné du niveau des Rikens. Ils ont une précision dans leur déplacement, dans leur vision. On a Flanked et Mix qui vient d'être sorti par Champ et QB. Brelo qui refait un kill sur large. Exum qui sort King Cage. Hitz qui vient d'être abattu par Ebates qui vient de tuer deux personnes à la suite. Donc Hitz qui va se retrouver au goulag du coup. Ça c'est le goulag de Hitz du coup. Hitz qui est contre Mix. Et Hitz qui gagne. Allez, bien joué poulet. Bien joué, c'est pas fini. Là on a Aizen qui est en randonnée. Sage folie meurtrière qui a personne autour de lui. Mais Sage qui s'est baladé sur toute la map. C'est quoi ce... Le mec est fou. Et là il se balade en moto. Il klaxonne. Le mec est possédé chat. Incroyable. Oh. Oh my god. Oh mon dieu. J'ai cru que c'était une Activision en direct. Mon dieu! Oh gros, j'étais pas bien. Mixi. Oh là là, ce décal. Oh, ce décal de merde. Allez, crève. Allez, crève. Qu'on l'élimine. Qu'on l'élimine, lui. Il pue la merde. Allez, hop. Allez, ça dégage. Ça dégage. Tu méritais pas le top 100. Oh merde. Aizen qui vient de se faire. Aizen qui vient de se faire baiser par Melvin. On va aller sur la POV d'Aizen qui est au goulag. Là, il faut pas trembler. Il est contre attaque. Ça va, il est contre le joueur qui est pas si bon. Va falloir qu'il aille capturer. Allez, 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 allez. Allez, il est éclaté. Il est éclaté, gros. Tu le sais qu'il est éclaté. Allez, allez, allez. Allez! C'est bien. Allez, retourne en game, poulet. Retourne en game. Ok. Sage toujours là. Mayapo qui avance, t'as un prédateur sur Kams. Kams italien, très très bon joueur. Ça joue malin, ça monte aux étages, ça joue sneaky, tu peux pas t'y attendre. Et on a Mayapo qui va se retrouver face à Biffle. Kams qui est pas loin, mais en fait c'était Biffle qui était au contact. Mayapo contre Biffle, ça va partir très très vite. Oh là là, ça préchote. Biffle qui sait, mais ne bouge pas. La paralysante qui part. Il descend. C'est... Oh là là, Biffle qui est... Oh! Oh, oh mec, il y a de la rancœur entre ces deux. Et Tomei qui est au goulag contre Method Sick. Hitz qui vient de faire un kill sur Dust Amir. Hitz qui se défend bien. Hitz qui est là. Hitz qui survit. Il vient d'avoir l'info. Tomei qui a l'info. Tomei qui est patient. Tomei qui craque. Tomei. Tomei qui ne perd pas. Aizen qui est en l'air. Ça doit être compliqué. Hitz qui est bien placé. Original. J'aime beaucoup. Wars toujours en vie. Très bon joueur. Pas étonnant. Et Sage au goulag contre Skullface. Oh my god. Ok. Sage qui est simplement... Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ce que... Il lui proposait de faire un 1v1 au point. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu, c'est quoi ça? What the fuck, gros? Il lui a donné?
En gros, c'est ce qu'ils viennent de dire les Ricains. En gros, on a déjà 100 000 dollars pour ma team. Vas-y, toi, tente ta chance. Je sais pas si c'est une preuve d'amitié ou s'il est devenu juste complètement fou. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une preuve d'amitié et de respect envers Skullface. Pour lui laisser une chance à lui parce qu'il a vraiment une chance de gagner. Genre un truc de gentleman, un truc chevaleresque. Oh non, Aizen qui vient de se faire tuer par Hisoka, les gars. C'est fini. Oh, le pauvre. Là, c'est dur. Là, c'est dur, les gars. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Biffle qui est à côté de Mayapo. Non, mais ils veulent se rôtir entre eux. C'est pas possible, gros. Ils voient leur écran ou quoi? C'est dingue. Allô, est-ce qu'il a encore envie? Allô, encore envie? Breeman, encore envie? Breeman qui joue bouclier, j'aime trop, c'est génial. C'est génial. J'espère tellement que c'est un bouclier qui va gagner. Jésus, tu sais, c'est Jésus. C'est Jésus, les gars. Oh, c'est Zach qui vient de chier sur le mec là comme ça. Il lui a chié dessus, gros. Il poupe en... Oh mon dieu. Not even a full building, probably just the floor of a building, maybe just a room, maybe a bathroom of one of these buildings, just holding out and hoping they might be the one. Bathrooms can be cheese. Ils montent tout en haut, ok. Il est bien placé. Warz, c'est un vrai prédateur. Putain, il y a Husker à côté. Mon dieu, c'est quoi cette solo YOLO de zinzin? J'aurais tué pour être là, les gars. La solo YOLO, elle fait envie, tu vois. Autant la trio, ça vraiment, ça me faisait pas tant envie que ça, mais être là en solo avec tous les meilleurs joueurs du monde, là tu prouves. Là il faut être là, il faut être présent, gros. Il faut prouver. Skullface qui vient de faire tomber l'UV, Skullface qui prouve qu'il a sa place apparemment. Hitz qui fait tomber Castillo, Hitz qui est encore là, les gars. Mutex contre Ewood. Mutex, énorme joueur manette, très très fort. Je mise sur lui, évidemment. Vu que je connais même pas l'autre. Oh là là! Non. Il garde une ligne, vraiment. Vas-y, garde ta ligne. Oh là, le timing. Oh! T'entends la meuf? Comment il a perdu ça? Oh mais ta gueule! Genre c'est insane ce qu'il a pris. Holy crap, man! Ok, on a Solitude qui tape la rotation. Qui tape la rotation. Non, il va pas faire une alt ici quand même. C'est pas possible. Il est possédé, gros. Il fait pas une alt ici, vraiment. Je suis pas en train de voir ça. C'est pas possible. Non. Non, gros, c'est... Il y a des vapeurs, là. Ah! Let's go! Let's go, Aiden! On a Corette qui vient de faire tomber Dark, les gars. Bonne nouvelle, ça. Écoutez les gens qui sifflent. Alors les gars, les gens qui sifflent, c'est des gens qui sont déplacés là-bas. Est-ce que ça résume pas un peu les mecs, genre la tronche des mecs? On a Shifty qui est au goulag. Shifty qui va perdre. Hein. Shifty qui va perdre. Il peut pas, gros. Là, c'est impossible. Il peut pas.
Dark qui gagne contre Shifty. Shifty, hey, respect à Shifty qui a fait un tournoi exceptionnel en trio avec ses mates. Exceptionnel. Allo qui vient de faire un kill. Allo qui est toujours là. Husker qui vient de rouler sur Vision. C'est pas une expression, il lui a roulé dessus en Hummer. Hisoka qui est en total open face à Almonde, oh, qui arrive à trouver une cover. Exceptionnel. Exceptionnel. Le move plongé était fou. Le move de plongée était sincèrement fou. Zach qui vient de se faire éliminer par Pezuka. Joe qui vient de buter Swag. Flex, l'espagnol, qui vient de faire tomber Boog. Ça va très très vite. Merci les gars pour les resubs, merci beaucoup. Itz qui est là, Itz. Aïe aïe aïe, Itz placé. Allongé. Aiden qui a fait une grosse bêtise. Qui a fait une grosse bêtise. Il vient de... Ah non, c'est bon. Non. C'est bon, il peut. Ok, il peut. J'ai cru qu'il avait ramassé le truc, donc il allait pas pouvoir re-shield des smokes. Ok, super Evan qui tombe. God DG, celui qui devait gagner selon la roulette, est mort. QB est mort. Ah, il est quand même allé loin. Husker qui... Avec un MCPR, Husker, c'est rigolo ça, tiens. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh Almonde qui fait tomber un frère bouclier. Il reste des frères boucliers absolument partout. Regardez tous mes frères, ils sont partout. Et Noobs qui vient de se faire intercepter par Biffle. Il va le confirmer. Biffle vraiment qui laisse aucune chance à ses adversaires. Putain, en fait c'est une méta. En fait c'est. Je pensais pas qu'on avait le droit au bouclier. Maintenant que je vois tout le monde avec un bouclier, c'est logique. MP5 bouclier, c'est la méta la plus forte. Biffle qui déroule le jeu, gros. Il est à 4 kills déjà. Il y a Jesus en face. Oh là là les gars, c'est trop intense. Oh, une paralysante. Mais non. Allez. Il va se réanimer. Non, c'est fini. C'est fini pour Biffle. La stun grenade, gros. Il a été paralysé. Ok, il reste Hisoka. Tomei. Attends, il reste encore Itz. No way, Itz. No way. Allez, mon Itz. Jesus qui vient de se faire crever. Husker qui s'acharne sur ce pauvre gars. Il a une grenade, il pourra en terminer maintenant. Regarde-le, il pourrait en finir. Et juste le nade, il en finit pas. Il est où mon poulet, hein? Allez, Itz. Non, Itz. Allo? Il reste Allo? Ah non, Allo, il est mort aussi. Ok, bon ben on verra, je crois qu'il n'y a plus de français. On a fait tous les français les gars. Aiden qui se déplace. Il y a Schmidt qui est resté tanker la zone. Oh là là, ça joue vite. Le move est fou. Oh, l'autre qui sort. Oh, l'autre qui arrive par derrière, celui qui a tanké le gars. C'est incroyable, Schmidt, le renard des surfaces. Schmidt qui profite. Schmidt, trop malin. Il reste Hisoka. Hisoka qui surperf, Skullface gros. Gros, si Skullface il gagne 100%, il va filer 50 000 au mec qu'il a laissé gagner. On a Breeman qui tempo dans la zone. C'est complètement fou, il en reste plus que 10. Il reste que les mecs qu'on avait dit quasiment. Almonde qui performe. Almonde qui est repéré. Almonde qui court pour sa vie. Oh non, Hisoka qui vient de se prendre une frappe qui n'était pas annoncée. Breeman qui fait le kill. On est dans les 6 derniers. Skullfell qui sort. Breeman qui est encore là et qui a encore une frappe. Il pète les plombs, il la met super loin, il a paniqué. Oh, il a peur. C'est normal d'avoir peur dans cette situation. Il a encore une boîte de mune. Il peut temporiser. C'est encore possible. Oh mon dieu. Le mec lui met une pression, c'est anormal.
Il ressort dans le gaz tellement il a peur. Skullface qu'il a gros. Skullface qui est allongé, Skullface qui va gagner, Skullface qui a la meilleure pose. Skullface peut-être, Skullface qui pose. Skullface qui est malin, il attend que les autres s'entretuent en bas, il sait que c'est un carnage, il sait qu'il a la zone, il a la meilleure position, il le sait. Il va gagner gros. Il va gagner, c'est sûr. Breeman qui est reparti dans le gaz. Breeman qui retanque la zone. Il est... Oh là là, mon dieu. C'est trop tendu, je vais crever. Autorisé, je sais pas qui c'est, il reste Breeman. Breeman Skullface pour 100 000 dollars. Pour 100 000 dollars, mon dieu. Pour 100 000 balles. Il attend qu'il s'entretue. Oh mon dieu, Skullface qui gagne. C'était écrit. Oh là 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 là. Et son frère qui l'a laissé gagner avant. C'est historique. C'est incroyable. Sage qui lui offre la victoire au Goulag pour qu'il gagne les WSOW solo. C'est incroyable. Bébou, mets ça, mets l'explication, s'il te plaît. Clip-le, tu peux mettre sur Twitter et sur Insta. C'est incroyable. Le Rikin, les gars, regardez-moi ce Rikin, il y a pas... Regardez-le, les gars. Ça, c'est un pur souche Rikin. Rikin de chez Rikin. Oh, les gars. Incroyable. La classe. Incroyable. C'est fou. Sage lui a offert. En vrai. En vrai de vrai, les gars. Là, quand c'est comme ça, je pense que tu files au moins gros. Au moins 20 000 balles à ton collègue. Il l'a mis trop bien. Is it personal? Do you have a relationship with him, or he just thought, you know what, whoever this guy is, he's a lucky boy? I did go up to him and like, all right, you won the trios, let me win the solo YOLO. So I guess he did. It's like, oh, c'est incroyable, gros. C'est incroyable. C'est fou. L'histoire est trop belle, les gars. Je suis désolé. L'histoire est trop belle. Félicitations, mec. C'est incroyable. Je suis trop heureux pour lui. Et Sage, GG, quoi. La classe. Bonhomme.